Le tribunal criminel. C'est ouvert, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. Cécé Raphaël Lava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goubon, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, Parti civil, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Bakayoko, est-ce que vous avez pu... Oui, nous avons pu travailler sur quelques fichiers. D'accord. Oui. Maintenant, c'est bien audible. Oh, bon, on va essayer de voir. D'accord. Allez-y alors. Concernant les bombes de commandement, il y a un ministère et je crois qu'il y a des bombes. Je ne sais pas si les consignes qui ont été données, nous, les ceux qui relèvent de nous, ont été les mêmes à ceux aux gens qui relèvent de tes bombes. Dans le déploiement que vous avez, non, vous savez, je vous ai parlé du caractère spécial du département du numéro 7e bureau. Mais au même moment, il faut prévoir que lorsqu'il y a des mouvements de foule, logiquement, les éléments qui sont sous sa main, qui travaille dans le local, la lutte contre le banditisme, doivent être déployés. C'est extrêmement important. Pas pour faire du maintien d'ordre, peut-être, mais pour veiller à ce que les manifestations ne tombent pas sur des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Voilà. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est un principe classique dans la fonction des unités de lutte contre le banditisme, c'est pas seulement un banditisme. Donc, se comporter de cette manière-là. Mais maintenant que, est-ce que nous, nous sommes dans. Nous avons les escadrons de la nouvelle République qui sont spécifiquement dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais c'est des chaleurs qui sont à la plus haut.
Maintenant, donc des opérations tant dans le cadre des signatures de surveillance et des opérations liées à la distribution, mais aussi à notre banque de droit de tout ça. Et ici, en Guinée, il faut forcément lier pour les mouvements de fonds au banditisme. Parce que généralement, M. Bakayoko, je pense qu'il y a toujours ces problème. Ces bandits-là, ils sont. Est-ce qu'il y a un problème? Dans les quartiers qui sont utilisés pour des manifestations. Ce n'est pas autre chose. Et là, c'est un enjeu sérieux. Pour la République de Guinée. Et ce que j'ai dit aux gens de la commission, j'ai dit, vous êtes venus, vous ne cherchez même pas à comprendre. Nous avons un objectif, mais vous continuez à suivre cet objectif-là. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce que nous utilisons dans ce pays-là et ailleurs au niveau? Est-ce que vous savez qu'on paye déjà jusqu'à hauteur de 2 millions de francs guinéens pour qu'ils sortent pour casser? Monsieur Bakayoko, ce qu'on va faire, est-ce que vous savez qu'il y a une est-ce qu'on ne va pas attendre que vous puissiez régler quand c'est prêt, là, vous nous informez. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. On peut essayer avec un autre officier, alors, voir. Allez-y, alors, avec un autre. Dans le trou, bon, on veut demain que vous sortiez pour aller faire ça, ça, ça. Je manifeste mon sentiment de satisfaction par rapport à son discours de reconciliateur. Il l'a dit entre guillemets que notre pays a trop souffert, il faut finir avec ça, il faut la réconciliation. Donc, le général Sekou, je manifeste mon sentiment de satisfaction par rapport à son discours de réconciliateur, il l'a dit entre guillemets que notre pays a trop souffert, il faut finir avec ça, il faut la réconciliation. Donc, le général Sékouba Konaté n'a fait que concrétiser la volonté du peuple de Guinée. Il mérite d'être aidé et assisté. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Toumba Diakité, que le président Sékouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sékouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que ce jour, bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République et même eux, ils le savent. Je suis prêt pour ça à me rendre devant la commission d'enquête internationale et voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice et l'équitabilité. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays? La justice nationale, elle est censurielle, c'est-à-dire elle est purement dépendante de l'exécutif en place. Ils n'ont aucune crédibilité de ma part. Je préfère la Cour pénale internationale. Pensez-vous que la commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire? C'est ça, ils veulent se servir de moi comme bouc émissaire. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre? Moi, je ne me reproche pas de rien parce que c'est l'armée, nous sommes sous ordre, ça c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je rappelle que le délit est personnel. Et mon père qui a âgé de 60 ans, qui a au grade de colonel, qui a loyalement servi l'armée guinéenne, il n'a rien à voir dans cette situation. Toute la famille est menacée. Donc il faut que, comme il parle de réconciliation,
l'organisation et la construction d'un état de droit, qu'il essaie de passer à tout ça. Et qu'il relâche votre père. Il relâche le bien, mon père. Votre père est en prison depuis donc cette date du 3 décembre. Bien sûr. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements? Pour le moment, je n'ai aucune information de son état actuel. On peut mettre le second officier. Conférence de presse par commission. Allez-y. On va voir. Est-ce à mi-parcours de la commission nationale d'enquête indépendante? Monsieur le président de la commission, vous avez bien voulu organiser aujourd'hui à mi-parcours de la Commission nationale d'enquête indépendante. Monsieur le président de la Commission, vous avez bien voulu organiser aujourd'hui, dans cette salle, la première conférence de presse de la Commission nationale indépendante d'enquête et dans cette salle, nous recevons, outre les médias, les représentants de la presse privée et publique, les journalistes, outre donc ceux qui sont les vrais animateurs de la présente conférence, vous recevez, dis-je, le général Mamadouba Toto Camara, premier vice-président du CNDD, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous avez également invité le colonel Siba Loalamou, ministre de la Justice garde des Sceaux. Ont bien voulu répondre à votre invitation, monsieur Frédéric Collier, ministre des Affaires de l'administration publique et de l'administration du territoire et des affaires politiques. Évidemment, vous avez invité et reçu M. Cheikh Fantamadi Kondé, ministre de l'Information et de la Culture. Vous avez le ministre Mamadou Sandé, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, vous êtes Siriman Kouyaté, le président de la Commission, et avec vous, certains membres de la Commission nationale indépendante d'enquête, le rapporteur Foromo Frédéric Loi, les membres que sont Madame Pierrette Tolno, Maître Doura Chérif, Son Excellence Ibrahima Chérif Aïdara, Maître Sori Kondé, Maître CCTA, Maître Baïla Diallo, Maître Mohamed Lamine Souma, Madame Fatoumata Morgane et votre serviteur moi-même, Dr Saïdou Diubaté. Monsieur le Président, la Commission a un service d'appui dirigé par un secrétaire général qui est Monsieur Arisco Bereté et d'un greffier, Monsieur Saïdou Basila. Voici planté le décor, Monsieur le Président de la Commission. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités et vous avez dans la salle, outre les journalistes, des représentants des partis politiques de notre pays. Ils ont bien voulu faire le déplacement et répondre à votre invitation. En votre nom, je voudrais les saluer. Merci, Monsieur le Président. Le programme est le suivant.
Avec votre permission, monsieur le ministre, tout à l'heure, il y aura un exposé introductif qui va être fait par le président de la commission. Et ensuite, évidemment, nous allons ouvrir les débats et on va vous écouter. D'ici là, on souhaite que les journalistes acceptent de désigner un modérateur, n'est-ce pas, pour nous permettre de rester dans le temps et dans les objectifs fixés par la présente conférence. Je vous remercie. Je vous remercie, Dr. Kouaté. Excellences, messieurs les membres du CNDD du gouvernement, messieurs les invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que la Commission nationale d'enquête ouvre ses portes pour permettre une revue à mi-parcours depuis son installation. Messieurs les ministres, messieurs les invités, je me fais d'abord un devoir de vous remercier très sincèrement pour être venu répondre à notre invitation, malgré votre calendrier chargé. Mais c'est un devoir qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, de voir les choses telles qu'elles sont. La Commission nationale d'enquête indépendante, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, a été mise en place depuis le 7 octobre 2009. C'est-à-dire justement moins de 10 jours après les douloureux événements que nous avons connus dans notre pays le 28 septembre. Le chef de l'État, par cet acte, a montré sa bonne volonté de voir faire toute la lumière sur ces douloureux événements. Malheureusement, il y a des étapes que nous sommes obligés de vous indiquer et qui n'ont pas permis à la Commission de travailler assez rapidement dans le temps. Le 7 octobre 2009, avec l'ordonnance numéro 053, le président de la République a voulu ouvrir la Commission à toutes les corporations, à toutes les composantes nationales de ce pays. Une commission de 31 membres avait été mise en place, comprenant des magistrats, des médecins, membres des partis politiques, les organisations de la société civile. Mais malheureusement, sur les 31 membres, il n'y a que 14 qui se sont présentés. Les autres, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas daigné. N'est-ce pas, participer à cette première composition de la Commission nationale d'enquête. Vous le comprenez pas. Les forces vives n'ont pas répondu. Les avocats ont répondu pour décliner l'offre. Le volume. Les syndicats n'ont pas répondu. De sorte que cette première composition n'a jamais pu travailler parce qu'un quorum de 16 n'a jamais été. Je crois qu'il est important de dire c'est en raison de cela que le président de la République a été amené à proposer une seconde ordonnance et adopter cette dernière ordonnance qui est l'ordonnance 057 du 30 octobre 2009. Avec cette deuxième ordonnance qui crée la Commission nationale d'enquête, qui définit ses attributions, alors le quorum a été effectivement atteint et les membres de cette commission ont prêté serment le 3 novembre 2009 devant la Cour suprême. Ça, c'est une grande première dans notre pays où une commission nationale prête serment devant la Cour suprême. La raison est bien simple. C'est que dans la composition de la Commission nationale d'enquête,
figure un éminent magistrat de la Cour d'appel qui se trouve être le premier président de la Cour d'appel. Donc la commission ne peut plus prêter serment devant cette même Cour d'appel. Et raison pour laquelle le président de la République a été amené à prendre l'ordonnance numéro 058 du 2 novembre 2009 qui autorisait, qui permettait à la Commission nationale d'enquête de prêter serment devant la plus haute juridiction du pays, c'est-à-dire la Cour suprême. Depuis notre installation, donc, nous avons mis en place un bureau de cette commission. C'est un bureau de 4 membres, un président, une vice-présidente et 2 rapporteurs, un premier rapporteur et un deuxième rapporteur. Par la suite, nous avons mis en place des sous-commissions de travail, 4 sous-commissions en tout. Chaque sous-commission est chargée d'un travail spécifique. La sous-commission numéro 1, chargée des préparatifs des événements du 28 septembre 2009 et de toutes les atteintes à la propriété. Tous les cas de pillage, tous les cas de vol, de destruction d'édifices qui a eu lieu ce jour-là, le 28 septembre 2009, tout cela entre dans le cadre de cette première sous-commission de travail. Deuxième sous-commission, la sous-commission chargée des homicides et des coups et blessures volontaires et toutes les autres voies de fait qui a eu lieu ce jour-là. La troisième sous-commission, la sous-commission chargée des viols et des agressions sexuelles. Et la quatrième sous-commission, la sous-commission chargée de la recherche et de l'identification des disparus. Parce que pour une fois dans notre pays, on parle de disparus. Si le mot est connu dans le jargon juridique, mais il ne s'était manifestement jamais présenté un cas de figure en Guinée. Les gens ont disparu. Il en est de même des cas de viol qui nous ont valu le lynchage que vous avez connu. Alors on dit qu'il y a eu des viols au stade du 26 septembre. Donc ces 4 sous-commissions travaillent sur le terrain. Mais pour chaque sous-commission, il y a des étapes à parcourir, des étapes à franchir. Comme la commission en général travaille dans le but de la manifestation de la vérité, alors nous avons adopté une certaine méthodologie de travail. Premièrement, nous avons nos plénières. Les plénières, là où toute la commission se retrouve, pour discuter des sujets importants concernant la marche des sous-commissions. En plus de cela, nous avons organisé des audiences publiques. Pour ceux qui ont bien suivi la teneur de l'ordonnance numéro 053 ou 057, on dit que les audiences de la Commission nationale d'enquête indépendante sont publiques. Et si vous avez souvenance, ça fait un certain nombre de fois que nous lançons des communiqués à la radio et à la télévision pour inviter des personnes à venir devant nous, pour faire de la lumière sur ces malheureux événements. Donc, dans ce cadre, par rapport à la première sous-commission, nous avons dû inviter un certain nombre de personnalités qui sont venues à nous dans cette salle. Nous avons commencé par M. le maire de Tixine. Ensuite, il y a eu le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi Jeune. Ensuite, il y a eu M. Paouri. Il y a eu le commandant Kéboro. Il y a eu le commissaire de Tixine, qu'on appelle communément Bellevue, et le commissaire du stade du 26 septembre. Pourquoi ces personnalités? Parce que le commissariat de Tixine a été incendié le 28 septembre. Parce que le commissariat du stade du 28 septembre a été vandalisé le 28 septembre 2009. Pour avoir des informations précises, nous avons dû faire appel à ces deux commissaires pour venir éclairer la religion de la Commission nationale d'enquête.
La Commission nationale d'enquête, c'est le lieu de le préciser, n'est pas une juridiction, ni d'instruction, ni de jugement. Nous faisons des enquêtes sur le terrain pour nous permettre de voir clair dans ce qui s'est réellement passé. Telle est d'ailleurs la volonté de tout le peuple de Guinée. Donc, par rapport à la première commission, tout le monde a dû suivre ce qui s'est passé, du moins ceux qui ont écouté la radio ou qui ont regardé la télévision. Alors, ces résolutions se sont passées ici. Donc, par rapport à la sous-commission 2, c'est-à-dire la commission des homicides et des blessures volontaires, nous avons envoyé du courrier à toutes les structures sanitaires de Conakry, les CHU, les CMC, les centres de santé, en vue de nous envoyer la documentation nécessaire par rapport au cas répertorié ce jour-là. Les CHU nous ont répondu, les centres de santé commencent à nous répondre, donc nous avons cette documentation avec nous. Mais cette documentation ne nous suffit pas. Après avoir compulsé le document, nous repartons sur le terrain à travers les sous-commissions pour aller vérifier sur place les informations qui nous ont été données. Par rapport à la sous-commission 3, nous avons abouti au même résultat, à savoir recueillir les informations, informations qui nous sont parvenues par des documents, des statistiques envoyées par les hôpitaux et par certains centres de santé, mais repartir sur le terrain vers ces médecins, vers ces personnalités qui ont fait ces rapports en vue de confronter. Parce que généralement, la lecture est muette. Mais quand on va sur le terrain, on parle avec les gens, on échange des idées, ça permet donc de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Des zones d'ombre sont éclairées. Et par rapport à la sous-commission 4, recherche et identification des disparus, là également, des recherches ont été menées sur le terrain, des recherches qui ont permis de recenser un certain nombre de cas de disparus. Il y en a même, il y a, je crois, un ou deux parents qui sont venus jusque devant la sous-commission 4 pour faire leur déclaration. Il y en a d'autres, c'est les informations que nous avons recueillies et informations que nous sommes en train de faire vérifier sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de dire que telle personne a disparu. Il faut d'abord que cette personne soit identifiée. Qui est-elle? Où est-elle née? Quels sont ses parents? Quelle était sa profession? Quel était son domicile? Où est sa photo? Avait-elle de la famille? Alors, il faut recenser toutes ces informations pour permettre de savoir, oui, c'est vrai, et cette personne, depuis cet événement, on a cessé de la voir. Parce que c'est ça la notion de disparition. Une personne qu'on a cessé de voir après des événements graves qui auraient pu mettre sa vie en danger. Donc, par rapport à toutes ces sous-commissions de travail, vous constatez que la Commission nationale d'enquête est aujourd'hui en nombre réduit. Parce que certains de nos collègues sont sur le terrain maintenant, à l'heure où je vous parle. Ils sont sur le terrain pour rechercher, prendre des informations et pour nous permettre de faire un rapport fiable. Nous avons fait des recherches documentaires à travers des administrations publiques, des départements ministériels. Nous avons même demandé au ministère de l'Information et de la Culture des éléments sonores ou audiovisuels pour nous permettre de voir à une période qui a précédé le 26 septembre 2009 les événements qui se sont produits dans notre pays, surtout les événements politiques. Tout cela nous permet de voir clair et, n'est-ce pas, de répondre beaucoup plus efficacement à ce que le peuple guinéen en entier attend de nous, à savoir un rapport fiable, un rapport qui ne s'est pas contenté de ce qu'on lui raconte, mais un rapport qui s'est contenté, qui est allé sur le terrain, qui a vérifié les sources. Parce que c'est ça aussi le grand intérêt d'une commission d'enquête. Donc, voilà en gros le travail que nous avons abattu depuis que nous avons commencé. Je préfère laisser que les gens posent les questions.
peut-être si des réponses peuvent leur être données, ça, on leur donnera les réponses. Mais pour le moment, nous sommes nés à faire un bilan. Pour le moment, le bilan n'est pas encore arrivé. Mais c'est pour informer l'opinion, d'abord que nous sommes là, que la Commission nationale indépendante existe bel et bien, qu'elle a commencé à travailler et qu'elle attend de l'ensemble des populations guinéennes la contribution nécessaire pour la manifestation de la vérité. Parce que c'est des personnes qui ont été victimes. Si ces personnes ne viennent pas vers la Commission, il n'est pas toujours facile d'imaginer ce qui s'est passé. On entend tellement de choses. Quand on entend parler des cas de viol, hier, qui me disait qu'on est à 112 cas de viol recensés. Bon, quand nous comparons cela aux chiffres que nous avons obtenus des structures sanitaires, voyez-vous que la situation est extrêmement difficile. Mais je voudrais que l'on sache que la Commission n'a pas deux objectifs. Un seul objectif, parvenir à la manifestation de la vérité dans l'intérêt du peuple de Guinée. Rien ne sert, n'est-ce pas, d'allumer des braises ardentes. Parce que malheureusement, nous sommes condamnés à vivre ensemble parce que Dieu l'a voulu ainsi. Comme le dirait l'autre, personne n'a demandé à Dieu à nous faire naître Guinée. On s'est retrouvé Guinée et on mourra Guinée. Donc, je crois que cet exposé liminaire était nécessaire pour permettre à tout le monde de comprendre l'approche que la Commission nationale a souhaité par rapport à ce qui est en train de se faire maintenant. Mais les hommes sont sur le terrain, les recherches sont en train d'être menées et par la grâce de Dieu, nous fournirons un rapport véritablement fiable, n'est-ce pas, qui n'est pas issu des lucubrations, mais qui est issu des recherches véritables qui ont eu lieu sur le terrain. Donc, c'est sur ce mot que je vais devoir peut-être demander à M. le président Doura s'il a quelques éléments qui étaient arrêtés, en attendant que... Toute la commission... La commission adhère entièrement à ce que vous venez de dire. Nous souhaitons que ce débat se déroule dans un esprit de franche collaboration entre la Commission nationale d'enquête indépendante et la presse, qu'elle soit publique, privée, nationale ou internationale, tous les invités, tous ceux qui voudront poser des questions auront la liberté de le faire. Et je souhaite, au nom de la Commission, de tous mes collègues, donc, que les débats se passent dans un esprit apaisé, dans un climat de franche coopération et de sincère collaboration. Je pense qu'il vaut mieux laisser donc les intervenants poser leurs questions pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus et bienvenue à vous. Merci. Merci. Merci, M. Doura Chérif. Tout à l'heure, Monsieur le Président, je n'ai pas prêté attention, mais dans cette salle, vous avez le gouverneur de la ville de Conakry, vous avez les maires des communes et d'autres représentants d'organisations à la base, d'ONG et de sociétés civiles. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons faire une modération de cette conférence de presse et je voudrais demander à Monsieur Djibril Diallo de bien vouloir assurer cette modération. Je vous remercie. Alors, merci donc à monsieur les membres du CNDD du gouvernement. Merci à monsieur le président de la Commission nationale d'enquête et des membres de cette commission. Merci également à la presse nationale.
et internationale ici présente. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous dire que cette rencontre vient à point nommé parce que tout simplement vous savez que l'une des grandes préoccupations du gouvernement aujourd'hui reste et demeure les investigations autour des graves événements du 28 septembre. Et pour justement mettre en relief, élucider la problématique de ces investigations, le gouvernement guinéen a cru devoir mettre en place une commission nationale d'enquête qui a travaillé depuis près de mois. Et vous avez suivi l'exposé liminaire justement du président de cette commission qui a balisé le chemin justement des débats de cette rencontre. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure de la transparence. Et qui parle de transparence parle justement de la présence de la presse, des médias, nous qui sommes justement les yeux et les oreilles de ceux qui ne sont pas dans cette salle. Donc il était important, après avoir suivi l'exposé liminaire de Monsieur le Président, de faire en sorte qu'il y ait un dialogue franc, apaisé, afin justement d'élucider toutes les zones d'ombre, n'est-ce pas, qui planent ici et là autour de ces investigations. Le rôle de cette commission, n'est-ce pas, le niveau atteint dans les investigations, que ce soit justement des échanges qui permettent de sortir de cette rencontre à chacun, n'est-ce pas, des représentants de la presse nationale et étrangère, de véhiculer le message de la paix, le message des investigations. Et sur ce, je voudrais demander à Monsieur le Président, et avec la permission des membres du gouvernement, de faire en sorte que les journalistes qui veulent poser des questions, n'est-ce pas, on va prendre par série de 3 questions. Je ne sais pas si on va commencer par la première ou bien si les gens vont se faire inscrire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Il y en a qui veulent poser des questions? De Koffi FM. Je remercie les membres de la commission d'enquête indépendante pour ces brillantes interventions. Ma question est la suivante. Après les premières auditions de quelques hommes politiques, membres du CNDD et du gouvernement, par la commission nationale d'enquête indépendante, en vue de faire toute la lumière sur les événements du 28 septembre, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un résultat fiable, à mi-parcours de cette commission, qui soit accepté de tous? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, les victimes des événements du 28 septembre souhaitent que les responsabilités soient situées. Mais des observateurs estiment que les travaux réalisés par cette commission nationale ne peuvent pas, peuvent ou ne pas être crédibles. Alors, quelles garanties offrez-vous à ces personnes pour qu'ils croient à votre bonne foi dans la mission qui vous a été confiée, c'est-à-dire celle de la recherche et la manifestation de la vérité? Je vous remercie. Bien. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Oui, allez-y. Ismaël Camara, tamtamguinée.com. Je voudrais savoir, Monsieur le Président de la Commission d'enquête indépendante, à ce niveau d'enquête, est-ce que vous disposez des données chiffrées concernant le cas de viol et les cas de disparus? Première question. La deuxième question. On sait que la Commission internationale d'enquête a réussi à entendre les principaux acteurs, enfin les principaux responsables du CNDD, y compris le président d'ADIS. Sauf que selon nos informations, M. Abouaka Toumba n'a pas été entendu. Est-ce que c'est votre cas? C'est le cas de la Commission d'enquête nationale. Est-ce que vous avez à ce jour entendu M. Toumba Diakité et certains responsables du CNDD, dont le président d'ADIS? Et peut-être la troisième et la dernière, je voudrais savoir à quand on peut s'attendre à la publication de votre rapport final. Je vous remercie. Il y a un autre intervenant? Bonjour, c'est Sako Zakaria. C'est une suggestion que je puisse plus ou moins apporter par rapport
à l'intervention du président, soi-disant que la sous-commission chargée des émissions et autres ne sont jusqu'à présent pas opérationnelles. Si ce n'est pas opérationnel, par rapport justement au cas, je voudrais par la présidente demander quelles sont les lacunes qui posent problème à ce niveau, ou s'il y a des cas de dérapage, quels sont les responsables. Deuxième point. Je n'ai pas compris cette question. Vous avez parlé de quelle commission? Reprenez cette question. Oui, la sous-commission dont vous parlez. Oui. Oui, présentez-vous, monsieur. Oui, présentez-vous, dites vous travaillez pour quel organe. Levez-vous, s'il vous plaît, puis présentez-vous. Vous travaillez pour qui? Non, je ne suis pas membre de la presse. Bon, si c'est pas je donne la vraie. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, posez votre question. Ça va, d'accord. Je reviens. Faites un peu de silence. Oui. Suivez, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? De nos jours, je me demande. Quel doit être quel est le rapport de travail qui existe entre la Commission nationale d'enquête indépendante et celle internationale? C'est ça. Merci. C'est ça. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on va procéder, n'est-ce pas, à la réponse de ces trois premières questions pour ne pas beaucoup emmagasiner, quoi. Oh oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Bien. Je vous remercie. Par rapport à la première question, je vous ai dit dans mon exposé liminaire que nous sommes en train de faire une revue à mi-parcours de la Commission nationale d'enquête indépendante. Nous avons procédé à certaines auditions, c'est vrai. Je vous ai dit que nous avons entendu ici M. le maire de Tixine, M. Paouri, le ministre de la Jeunesse, le ministre chargé des services spéciaux, certains commissaires de police, un lieutenant de police, le sous-lieutenant Dia. Nous avons entendu en sous-commission d'autres personnes, dont le chef de quartier Landrea, qui certainement est dans la salle maintenant. D'autres personnes sont attendues. Vous avez dû suivre les déclarations que nous avons faites à la radio, demandant à M. Sélou Dalain Diallo, Jean-Marie Doré, M. François Fall, M. Avocatila et d'autres qui étaient au stade le 28 septembre 2009 à se présenter devant nous. Bon, malheureusement pour le moment, aucun d'eux n'a pu répondre. La plupart sont absents. Mais M. Jean-Marie Doré a eu l'amabilité de nous appeler parce qu'il était attendu hier le 15, mais il devait prendre un avion à 11h. Il n'a pas pu donc venir. Il nous a demandé de renvoyer son audition au lundi prochain. C'est dire que, au jour d'aujourd'hui, il est difficile de vous dire à quelle étape on est arrivé, à quel résultat. Tout ce que nous savons, c'est que ces personnalités ont fait des auditions, nous les avons entendues, nous avons recueilli donc des informations. Ce sont ces informations-là, l'opinion que nous faisons de ces informations, c'est ce qui va ressortir dans notre rapport. Donc, vous dire aujourd'hui que les résultats-là, c'est quoi? Ce serait, je crois, aller trop vite en besogne. Nous sommes, c'est une revue à mi-parcours, je vous l'ai dit. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas au bilan. Quelle crédibilité apporter à la Commission? Moi, je crois que c'est une question insidieuse. Mais chacun est libre, n'est-ce pas, de penser de la Commission ce qu'il veut. Mais c'est une Commission nationale d'enquête qui a été mise sur pied par la première autorité de l'État. Ce sont des Guinéens, des cadres venus de divers horizons. Donc des cadres qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que la case Guinée brûle. Moi je crois, c'est mon avis, hein, qu'il est d'abord mieux de faire confiance à cette commission, quitte à la commission de montrer le contraire. Quitte à la commission de démontrer par des comportements, des attitudes qu'on n'aurait pas dû lui faire confiance. Mais il faut éviter les a priori. Donc la crédibilité, nous croyons crédible. Nous pensons que nous sommes crédibles parce que le travail que nous faisons, c'est un travail en profondeur, sans aucun parti pris. Et toutes les autorités de ce pays nous l'ont confirmé, à commencer par le président de la République,
Nous ne travaillons pour personne en particulier. Ni pour le président Dadis, ni pour ce gouvernement. Mais pour le peuple de Guinée. Parce que notre travail, c'est de faire la lumière sur les événements. Donc, c'est la réponse que je peux donner à cette question. Bon, Tam Tam Guinée, par rapport au chiffre des viols et des disparus. Bon, là également, je vous dirais que nous avons actuellement des chiffres qui nous ont été envoyés par les structures sanitaires du pays. Et je crois que, avant de faire confiance aux déclarations qu'on entend sur la presse, il est mieux d'aller à la source, mais surtout à la bonne source. Quand on est malade, on va à l'hôpital ou au centre de santé le plus proche. Heureusement, les choses se sont passées à Conakry, où il y a deux hôpitaux universitaires, où il y a multiples centres de santé. Donc les chiffres que nous avons, n'est-ce pas, sont de loin en deçà des chiffres annoncés. Mais pour le moment, je me réserve de vous dire quels chiffres exacts nous avons en matière de viol. En matière de disparus également, c'est la même chose. À part les deux personnes qui sont venues nous dire avoir perdu leurs parents, les autres, c'est des recherches qui sont en train de mener sur le terrain. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que dans cette manifestation du 28 septembre, tous ceux qui étaient venus au stade n'étaient pas des résidents de Conakry. Nous en sommes rendus compte. Mais pour le moment, je crois qu'il ne faut pas s'aventurer plus loin au risque de déclarer des choses qui ne sont pas importantes. Le cas Toumba, Toumba n'a jamais été entendu devant cette commission. Nous devrions l'entendre si les choses s'étaient passées comme nous l'avons souhaité. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu l'entendre. Pour quand le rapport final? Le rapport final est peut-être pour un mois, après aujourd'hui, peut-être un mois et demi. En tous les cas, le délai qui nous a été imparti, c'est 3 mois. Nous avons fait déjà un mois et quelques jours. Nous voudrions d'ailleurs raccourcir ce délai, si les possibilités nous sont données, alors pour que le plus rapidement possible, la Guinée puisse être... puisse avoir à disposition ce rapport de la Commission nationale d'enquête. Mais nous ne voudrons pas pour cela aussi escamoter le travail. Nous le ferons dans les formes qu'il faut, avec la manière qu'il faut, mais avec le sentiment que nous avons fait un travail tout à fait acceptable par tous. Entre la Commission nationale et la Commission internationale, en principe, il aurait pu y avoir collaboration. La Commission internationale est venue en Guinée. Nous avons suivi, comme tous les citoyens guinéens, n'est-ce pas, où est-ce qu'elle s'est rendue. Elle a rencontré diverses personnalités. Même hier encore, Monsieur le ministre de la Défense m'en faisait état à Kindia. Donc, la Commission a rencontré plusieurs personnalités. Mais la Commission, malheureusement, n'est pas venue voir la Commission nationale d'enquête. La Commission nationale d'enquête non plus n'est pas allée vers la Commission internationale. Donc, on s'en tient là. Voilà, donc c'est la série de questions que nous avions posées. Voilà. Bon. Qui ça? Oui. Ah, je voudrais dire un mot sur... Après. Je voudrais avant tout d'abord, en tant que point focal de ces organes mis en place après ces malheureux événements, et au nom de Monsieur le Président de la République, au nom des membres du CNDD, m'incliner tout d'abord pieusement devant les victimes de ces malheureux événements du 28 septembre 2009, puisqu'on parle de ces événements aujourd'hui, et souhaiter donc prompt rétablissement à ceux qui sont encore malades. Je prends la parole pour intervenir sur un point précis, puisque je me sens interpellé, ou du moins
le gouvernement. C'est sur le point de la crédibilité et quelles garanties posées par les journalistes de Kofi FM. Le président de la Commission nationale d'enquête indépendante, dans son exposé liminaire, a fait état de plusieurs ordonnances suite au refus de quelques éléments de participer à la Commission pour des raisons qui leur sont propres. Je rappelle, et c'est important, que c'est au lendemain de ces douloureux événements du 28 septembre 2009 que le président de la République, dans un communiqué, a demandé la mise en place de deux organes. Une commission internationale sous l'égide de l'ONU et une commission nationale d'enquête indépendante. C'était une volonté de l'État au sommet. Ici, nous parlons de la commission nationale d'enquête indépendante. La question qui a surgi est celle que beaucoup de Guinéens se sont posées, ou du moins que beaucoup ont pensé plus bas. Quelle crédibilité? C'est pourquoi l'occasion est opportune. C'est vrai, il y a eu des événements dans ce pays. Le 28 septembre 2009 n'est pas le premier. C'est vrai, il y a eu des commissions dans ce pays qui ont fait long feu, c'est-à-dire qui n'ont pas marché. Mais pour une fois, il fallait faire confiance à l'État. Il fallait faire confiance aux nationaux. La commission nationale qui a été mise en place, dans sa mouture première, devrait prendre en compte toutes les sensibilités, les partis politiques, les représentants des forces vives, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme. Mais comme l'a dit le président, tous ceux-ci ont décliné l'offre. C'était malheureux. Puisqu'on ne peut pas être meilleur juge que soi-même, il faut être sur le terrain et constater ce qui a été fait. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas quelqu'un de lointain qui viendra en lieu et place dire ce qui s'est passé pendant que vous-même vous étiez à... Qu'à cela ne tienne. La volonté de l'État était entière. Il a donc fallu mettre une commission, de toutes les façons, pour ne pas laisser le terrain à la seule commission internationale. La commission nationale a donc été instituée grâce à l'appui du gouvernement, parce que les moyens qui n'existent pas aujourd'hui, que tout le monde connaît, les moyens ont été rapidement réunis. Grâce à l'appui du gouvernement et mis à la disposition de la commission nationale d'enquête indépendante pour que celle-ci s'installe le plus rapidement pour faire sa mission. Ce sont des Guinéens qui ont été victimes du fait d'autres Guinéens sur le territoire guinéen, sous les yeux des Guinéens. La logique était simple. Je veux que la lumière soit faite sur ces événements. Je participe à la commission, j'ai dit mon mot. Je joue ma partition. Donc, en fait de crédibilité, le président l'a dit, on va donner le temps au temps. Ils seront jugés au résultat. Ils ont une commission nationale d'enquête indépendante. Et il a rappelé que tous les Guinéens doivent se donner la main pour que la lumière soit faite. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tous ceux qui sont invités devant cette commission doivent se présenter avec empressement, puisque c'est la volonté du peuple de Kitou. Lorsqu'on a été au stade, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été organisateur de cette manifestation, et qu'on vous demande de venir dire qu'est-ce que vous avez subi, qui vous a fait subir, qu'est-ce qui s'est passé, je pense que c'est une aubaine sur laquelle il faut se précipiter pour venir déclarer à la face du monde et du peuple de Guinée ce qui s'est réellement passé, puisque les audiences du reste sont publiques. Donc, monsieur le journaliste, même vous, votre contribution est attendue. Si vous avez des vérités, si vous avez des faits, venez devant la Commission nationale d'enquête indépendante et dites ce qui s'est passé pour que la lumière soit faite
pour la mémoire de ceux qui ont malheureusement perdu leur vie. C'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement. On ne va pas d'entrée penser que, puisque c'est national, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut justement mettre les gens à l'œuvre et leur apporter le soutien nécessaire pour que la vérité soit manifestée. Je voulais relever ce point pour que, puisque la commission n'a pas encore fini ses travaux, pour que chacun de nous apporte son concours à cette commission. Le but ultime, c'est de déterminer les auteurs et de les livrer à la justice chargée de les punir. Je répète, le but ultime de ces deux commissions, c'est de livrer les auteurs, les vrais, à la justice chargée de les punir. Il y a eu des a priori, il y a eu des allégations. Il faut rechercher tout ça, il faut confronter tout ça, il faut enquêter sur toutes ces allégations. Voilà pourquoi la Commission nationale d'enquête indépendante, qui a son siège au palais ici, qui est totalement indépendante de tout organe de l'État, et comme il l'a dit lui-même, qui ne travaille pas pour le gouvernement ni pour le chef de l'État, mais pour le peuple de Guinée. Je vous remercie si j'ai pris la parole. Merci donc à Monsieur le ministre de la Justice, justement, pour cette précision très importante. Je pense qu'on va continuer, justement, la série questions-réponses. Et je voudrais demander précisément que ce ne soit simplement des journalistes qui posent des questions, parce que nous avons parlé d'une conférence de presse. Cela signifie justement que la presse a l'exclusivité. Les autres, je pense, peuvent attendre. D'autres conférences peuvent avoir lieu, même si ce ne sont pas des conférences de presse, mais pour ce cas précis, je voudrais que ce ne soit que des journalistes qui posent des questions. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions, ils peuvent se manifester. C'est pas fini, là. Monsieur Chérif, vous voulez intervenir? Mais... Non, vous n'avez pas manifesté. Vous voulez intervenir? Si vous voulez intervenir, allez-y. Je vais donner le micro. Allez-y. Bien. Sur ce point précis... Oui. J'ai dit que c'est une question très importante qui a été posée. Lorsqu'on se demande si les résultats de cette commission peuvent être crédibles. Et dans la presse, que on a posé deux à trois questions à M. Fodeba Istokeira et à commandant Tchekboro Kamara, contrairement à M. Baouri, où il y a eu vraiment une sorte de une série interminable de questions, au point que M. Baouri s'est demandé est-ce que j'ai affaire à une commission ou bien à un tribunal. Là, on a lu ça. Il y a beaucoup peut-être de gens qui veulent témoigner, mais si tel est le cas, je me demande si les gens auront le courage vraiment de venir faire ce témoignage. Merci. Voilà, M. le Président, vous pouvez répondre à ces trois premières questions. Voilà, je vous remercie. Je vais commencer par la dernière question. Par rapport à deux poids, deux mesures que le dernier journaliste vient de dénoncer, je regrette si les gens se sont fait cette opinion de la Commission par rapport à ces auditions passées. Je crois que les gens nous font un mauvais procès. Nous avons invité devant nous un certain nombre de personnalités par rapport aux actes posés avant le 28 septembre et le 28 septembre. Nous avons commencé par le maire de Dixine, parce que le stade du 28 septembre relève du maire de Dixine. C'est sur son territoire. Et nos textes sont très clairs. Quand on veut organiser une manifestation politique de quelque nature que ce soit, sur la voie publique, on doit informer par écrit l'autorité de tutelle. Dans notre cas, c'est le maire de la commune ou le président de la CRDS. Dans notre cas, c'est le maire de la commune. C'est pourquoi nous avons invité le maire de Dixine à venir se présenter pour nous dire
est-ce que effectivement des organisateurs lui ont écrit? Si on lui a écrit, dans quelle forme? Combien il y a eu de signatures? Nous avons posé ces questions à M. le maire Dixine qui nous a répondu. Mieux, il nous a envoyé une copie de la lettre. Cette lettre lui a été adressée par M. Baouri, qui s'est présenté comme le président du comité d'organisation du Forum des Forces Vives. Nous avons vu cette lettre. La loi demande que la lettre soit signée de 3 personnes au moins. La lettre n'est signée que d'une seule personne, c'est-à-dire M. Baouri. La loi demande qu'il y ait au moins 5 organisateurs dont les noms sont mentionnés dans la lettre. Aucun nom n'est inscrit dans la lettre. Donc, il a fallu qu'on pose des questions à M. Baouri pour savoir comment est-ce que ces choses se sont passées après l'audition de M. le maire. Donc, quand M. Baouri est venu, parce que c'est lui l'acteur, c'est lui qui était au stade, c'est lui qui a fait la demande d'organisation de la manifestation. La question que nous avons posée au ministre de la Jeunesse, c'était tout simplement pour lui demander est-ce qu'il avait interdit le stade auparavant. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse a fait dans cette affaire pour qu'on le cuisine, pour qu'on lui pose des questions? Parce que c'est ce que votre question est en train d'insinuer. Qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse a fait? Il est le ministre de la Jeunesse chargé du stade du 26 septembre. Et le 3 ou le 4 septembre déjà, le directeur du stade du 26 septembre avait interdit le stade du 26 septembre à toute manifestation, en raison de la préparation du match Guinée-Burkina Faso. Ça, c'est bien avant les faits, bien avant même qu'une demande ait été faite par les organisateurs à l'adresse de M. le maire de Dixine. Donc, les questions, on les a posées selon l'intérêt porté au problème. Même à M. Baouri, nous étions obligés de lui demander, d'abord, si ce forum des forces vives a une personnalité juridique. Parce que nous sommes quand même des légalistes, nous sommes une commission nationale d'enquête. Nous devons savoir exactement celui qui a écrit, est-ce qu'il était habilité à écrire? Est-ce que légalement il existe? Je sais que tous ces partis politiques qui composent ce forum dit des forces vives sont des partis politiques agréés. Le ministre de l'administration du territoire nous a fait parvenir la liste de tous les partis politiques agréés en Guinée. Je vous informe qu'il y en a aujourd'hui 96. Nous avons la liste des partis politiques. Mais est-ce que le forum en tant que tel est une entité qui existe juridiquement? Parce qu'il ne suffit pas de dire, de se regrouper pour dire on s'appelle un forum. Alors ces questions, nous devrions les poser à M. Baoui. Ensuite, est-ce qu'il a écrit au nom de tous ses collègues, tous les leaders politiques qui étaient effectivement au stade ce jour-là? Effectivement, c'est la réponse qu'il nous a donnée. Il a écrit au nom de tout le monde, mais personne d'autre n'a signé que lui. Alors, ne pensez pas qu'on a cuisiné, excusez-moi l'expression, M. Baouri. On lui a posé des questions essentielles pour nous permettre de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé. Quand le ministre de la Jeunesse nous a dit que lui, par un communiqué, il a dit que le stade du 26 septembre est interdit à toute manifestation. Il semble même que le ministre de l'administration du territoire, heureusement il est là, a pris un arrêté ou un acte par lequel il interdisait toute manifestation le 26 septembre 2009, où que ce soit. Alors, j'ai demandé même à M. Baouri, donc, malgré toutes ces interdictions, vous êtes allé quand même. Vous avez bravé le pouvoir. Le président de la République a été jusqu'à s'impliquer pour appeler un des leaders à 1h du matin du 28 septembre pour lui demander gentiment de repousser la manifestation au 29. Donc, pour revenir à votre question, il n'y a pas eu deux poids, deux mesures. C'est par rapport aux personnes qui sont devant nous et aux actes que ces personnes ont posés que nous leur posions des questions. Le Komala Kiégourou, quel acte il a posé pour que ce jour-là, il soit cuisiné? Rien. Il est venu au devant des leaders politiques pour leur demander, n'est-ce pas, de sursoir à leur manifestation. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est venu nous exposer. Donc les zones d'ombre sur lesquelles on n'avait pas tellement de formation, nous lui avons demandé, il a répondu à ces questions. Quelle autre question on va lui poser? Personne n'a dit que Kiégourou lui a fait ceci ce jour-là, le ministre Kiégourou. Au contraire,
M. Bahouri, dans son intervention ici même, nous a dit qu'il doit la vie sauve grâce à l'intervention du ministre Kévoro ce jour-là. Il en est de même de plusieurs des leaders politiques. Donc, quelle autre question vous voudriez qu'on pose à ces messieurs qui, vraiment, ont fait leur devoir ce jour-là? Bon, donc, par rapport à cette question, voilà la réponse que je peux vous donner. Quels sont les pouvoirs que nous avons pour faire venir les gens devant nous? Nous n'avons pas de pouvoir de police. Mais nous avons devant nous, une brigade a été mise à notre disposition, une brigade de 30 membres. Une brigade d'officiers, de police et de gendarmerie. C'est vrai, cette brigade n'est pas là pour aller interpeller les gens, pour aller cueillir les gens, comme beaucoup de personnes le pensent. Non. D'abord, toutes les personnes que nous avons envoyées devant nous, nous les avons invitées à venir. Non, même pas les convocations. Nous avons fait les lettres d'invitation. Je ne sais pas, on ne peut pas être plus courtois que ça. Lettre d'invitation à venir se présenter pour faire la lumière sur ces douloureux événements. C'est ce que nous avons fait. Les personnes que nous avons invitées qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu être là, parce que certainement, ces personnes sont en dehors du pays, nous avons fait exprès, nous avons envoyé les lettres à leur siège, parce que le siège, quand même, il n'y a pas que le leader qui soit le parti politique. Il y a d'autres responsables qui sont restés au pays, qui peuvent répercuter la nouvelle. Mais ces personnes, pour le moment, n'ont pas répondu à notre appel. Mais je ne crois pas que ces personnes viennent en Guinée, qu'on les rappelle devant la commission et qu'elles ne reviennent pas devant la commission. Peut-être quitter l'extérieur pour venir répondre à l'appel, bon là je ne sais pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que M. Jean-Marie Doré a été appelé pour la première fois, c'était pour hier d'ailleurs. Malheureusement, pour une raison de calendrier, il nous a appelé très tôt le matin pour nous dire que, à M. le Président, pour des raisons de santé, je dois prendre un avion à 11h, donc permettez que mon audition soit reportée pour lundi prochain. Donc c'est dire que nous avons toute autorité, parce que l'ordonnance numéro 053 a dit qu'aucune autorité ne peut aller au-delà de ce que la Commission lui demande. Toute personne invitée à venir devant la Commission devra se présenter, quelle qu'elle soit. Et le président de la République l'a déclaré plus d'une fois qu'il sera le premier à venir devant la Commission nationale d'enquête. Et il l'a démontré quand la Commission internationale d'enquête est venue. C'est pour dire que tous les Guinéens, qui qu'ils soient, peuvent être invités à venir devant la Commission pour nous dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Bon, par rapport au cas de viol, je voudrais donner la parole à Mme Pierrette Tolneau, qui est la présidente de la sous-commission chargée des viols et des agressions sexuelles. Les cas de viol ou d'agression sexuelle, la sous-commission a reçu le rapport de l'hôpital national de Donka, dans lequel rapport les cas sont notifiés. Mais je voudrais vous dire ici que dans ce rapport, il n'y a aucun cas de viol confirmé. Il n'y a que des cas de viol, de suspicion de viol. Des cas de suspicion de viol. Et dans ce rapport, le nombre indiqué, c'est le nombre, un nombre de 32. Sur les 32 cas, une seule femme s'est présentée à l'hôpital de Donka le 28 septembre. Et même pour cette femme, il est écrit dans le rapport « suspicion de viol ». Donc, la sous-commission, après avoir analysé ce rapport, s'est rendue sur le terrain. Et nous avons commencé par la commune de Ratoma. Je voudrais vous dire que tous les centres de santé,
les postes de santé et les CMC ont reçu la visite de la sous-commission. Nous avons commencé par le centre de Afia, ensuite le CMC de la Minière, le CMC Ratoma. Nous sommes allés à Kaporo, nous avons fait Lambani, nous avons fait Kobaya, Sofoniaga et Wanindara. Ensuite, nous avons pris la bretelle Matoto. Et à Matoto, nous avons commencé par le centre de santé de Dabompa. De Dabompa, nous sommes venus à Tombolia, de Tombolia à Tanene, Tanene, CMC Matoto, Gwesiapor 1, Gwesiapor 2, le CMC de Matam, le centre de santé de Madina, le CMC de Kolea, ça c'est maintenant dans la commune de Matam. Et nous avons fait le centre de santé de Massiré et le centre de santé de Dixine. Au moment où je vous parle, les autres membres de la sous-commission sont sur le terrain, puisque à Ratoma, nous n'avons pas été au centre de santé de Koloma ni à Simbayaga. Et on nous a donné des informations hier par rapport à un hôpital privé enfance, mère et enfance à Ratoma. Donc les autres membres sont allés là-bas ce matin et ils vont continuer la tournée puisqu'il y a les centres de santé de Kaloum. Et je voudrais que vous sachiez que suite à cette tournée, dans ces structures sanitaires, c'est au centre de santé de Dixine qu'il nous a été rapporté 15 cas de suspicion de viol a été enregistré. Mais un mois après la date du 28 septembre, et là aussi, suspicion. Donc, le rapport que nous avons, je vous disais que toutes ces femmes qui se sont présentées sont venues après un mois des événements du 28 septembre. Donc, pour le moment, la commission n'a pas encore reçu ces femmes victimes. Donc, on n'a pas pu auditionner une femme victime de viol. Et aucun cas n'est confirmé par les hôpitaux. Je vous remercie. Voilà, merci donc, madame, pour cette précision. Je voudrais demander, compte tenu du temps qui nous est imparti, à ce que les intervenants soient succincts et que ceux qui apportent les réponses aussi le soient. OK. Monsieur Diallo. On n'a pas fini de répondre. Hein, Monsieur Diallo. Oui, d'accord. Après, une autre question. Voilà. Oui, d'accord. Oui, président. S'il vous plaît, par rapport à une question, nous allons donner la parole à Monsieur le Président Doura. Nous n'oublions pas la question de Monsieur le journaliste du Monde là. Nous allons y répondre tout à l'heure. Président, la question n'était pas répondue. Non, elle n'était pas répondue. Allez-y. Je voudrais en tout cas qu'on soit succinct parce que le temps qui nous est imparti est devenu court maintenant. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, président, allez-y. Bien. Bon. Même si le modérateur demande si la question n'avait pas connu de réponse, il y a une précision importante à apporter à une question, celle relative à l'audition de M. Baouri. Je ne serai pas long. M. Baouri, nous le connaissons tous. C'est un intellectuel valable, honnête, franc et sincère. Il peut affirmer à qui le veut comment qu'il a été entendu ici avec toute la courtoisie et sans aucun harcèlement. Je le dis, vous pouvez le vérifier. En ce qui concerne les autres leaders, ils ont demandé si
le président Sidia et le président Selou. Malheureusement, ils ne sont pas venus devant la commission. Mais ce qu'on peut affirmer devant cet aéropage de cadres réunis dans cette salle, c'est que tout se passera ici, devant cette commission, tout se passera sur la base de la présomption d'innocence, sans prise de position aucune, sans aucune intervention à connotation politique. C'est des Guinéens, nous sommes entre nous Guinéens, tous les acteurs de cette situation sont des Guinéens. Hein? Il est tout à fait normal que chaque Guinéen réponde devant cette commission pour dire ce qu'il sait. Encore une fois, je reviens à ce gage de crédibilité du travail de la commission. Que surtout le leader, M. Baouri est un leader, il est venu, il a été entendu dans la courtoisie, dans la franchise, dans la sincérité, dans la camaraderie et la fraternité. Le président l'a dit, le président Jean-Marie Doré s'est excusé avec politesse et courtoisie en promettant de venir devant la commission qui va se soigner et il revient. Alors, cet exemple de M. Baouri doit être suivi. Eux, les leaders, c'est eux qui peuvent nous édifier et vous édifier, édifier le peuple de Guinée. Je vous remercie. Et ceux qui... Bon, peut-être que le président veut répondre à la question du monde, mais sinon, il y a une relation entre cela et la question qui a été posée par le journaliste du monde. Mais je vais donc laisser à M. Merci donc, M. Chérif. Voilà. Pour cette président. Précision importante. Et pour revenir à la question de M. le journaliste du monde, moi, je crois qu'il faut se faire une opinion. Si j'ai bien compris, il a dit pourquoi la Commission internationale n'a pas éprouvé de difficulté à entendre des victimes et pourquoi nous, Commission nationale, on en éprouve. C'est une question de conviction personnelle. Si on a cherché à inculquer dans l'idée de ces personnes-là, n'allez pas devant la Commission nationale, venez plutôt vers la Commission internationale. Alors, les gens ont mordu à l'appât. Mais nous savons aussi qu'il y a de l'argent qui circule dans cette affaire. Nous sommes informés qu'il y a de l'argent qui circule parce que beaucoup d'informations nous sont parvenues, comme quoi des femmes qui déclareraient avoir été victimes de viol bénéficient banalement de 400 000 francs. Ça circule. Vous savez, la Guinée, hein, c'est des informations qui vont ici et là. Donc c'est pour dire que si les gens n'ont pas confiance à la Commission nationale pour venir vers elle, alors ça va être extrêmement compliqué. Si les gens préfèrent des Guinéens, les événements se sont produits en Guinée, mais on préfère aller vers une commission internationale. Et après le départ de la commission internationale, pourquoi ne viendraient-elles pas ces personnes-là devant la commission nationale? J'aurais compris qu'on commence par la commission internationale. Dire les autres là, ce n'est pas crédible. Mais si nous, on leur demande de venir, je crois que la moindre des choses, c'est de venir ici et démontrer devant nous que oui, effectivement, j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. Mais madame vient de le dire, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu une seule femme, quand bien même nous avons donné toutes les garanties de sécurité à ces femmes, mais aucune d'elles n'est venue. Et les seules qu'on a retrouvées qui sont allées devant à l'hôpital Donka, qui ont été recensées là-bas, celles qui sont venues en premier sont venues une semaine après le 28 septembre. D'autres 15 jours, les dernières sont venues un mois après. Après un mois, comprenez un peu ce que ça se passe, ce qui se passe. Est-ce qu'un viol peut être démontré après un mois de fait? Donc, je m'arrête là pour le moment. Donc, c'est la réponse à monsieur. C'est une question de conviction. Oui. Oui, s'il vous plaît. Merci donc. Une dernière question. Non, c'est la parole d'abord. Pardon. Je dis, vous n'avez pas la parole d'abord. Allez-y, posez votre question. Oui, je peux poser comme ça. Président, oui. Merci. C'est juste un complément de réponse. S'il vous plaît. Non, c'est très sensible cette question de viol. Si
cette atmosphère que nous avons vécue, nous l'avons vécue de cette façon, je crois que c'est d'abord et avant tout parce qu'en plus des homicides et blessures, on a beaucoup, beaucoup parlé de viol. Il faut y répondre. Il y a des organisations, comme disait le journaliste du Monde, qui ont une notoriété et qui sont reconnues sur le plan international à cause de leur sérieux. Il a raison. Le sérieux se fait dans le temps et par un travail sérieux. Ces organisations l'ont eu, la Commission nationale d'enquête est en train de faire son sérieux aussi. Mais je veux dire que quand vous allez dans certaines, au niveau de certaines organisations, il nous a été signalé qu'il y a eu beaucoup de cas de viol. Et nous avons posé la question, où sont ces femmes violées? Les responsables de cette organisation nous ont répondu que beaucoup d'entre elles sont allées au village. Un. Deux, que lorsque la commission internationale d'enquête est arrivée, on a voulu faire comparaître d'autres femmes, elles ont dit non, si c'est pour aller jusqu'à ce niveau, on ne viendrait pas. D'autres organisations nous ont dit, oui, on a appris que la Belgique nous a envoyé de l'argent. Et que quand on vient chez nous, on se fait recenser, on peut bénéficier d'argent, on peut avoir un certificat de viol pour constituer une demande de dossier de visa. Je vous livre les informations telles que ces organisations dites crédibles qui sont installées dans notre pays sont en train de traiter certains cas de viol. C'est ce qui rend la question très complexe. Les violés sont rentrés au village. Non, des femmes ont déclaré qu'elles ont été violées. Au moment de recevoir un document ou de l'argent, de l'assistance, elles sont venues. Mais au moment de comparaître devant la Commission internationale, elles ont décliné. Elles ne se sont pas présentées dans les structures de santé publique, mais qu'une dame en médecine, expert en médecine, se sont reportées elle seule. C'est elle seule, c'est à elle seule qu'on fait confiance et c'est vers elle que ces femmes vont. Pas dans les hôpitaux, pas dans les centres de santé, pas dans les centres de santé, non, à une seule femme médecin. Mais elle, on lui fait confiance. Voilà comment la question se pose et voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et voilà pourquoi nous lançons un appel à tout le monde. Si vous avez pu faire confiance à une femme ou à un homme, à une structure internationale, essayez la structure nationale. Il y a des femmes dans la commission. Je vous remercie. Merci pour la précision. Allez-y, rapidement. Une seule question pour vous. Hein. Monsieur le membre de la commission, moi j'ai une question à vous poser. Moi, je suis Boïs Sidibé de l'Indépendant. Donc, la commission a un souci, c'est pour sa crédibilité. Mais elle vient de nous dire ici que jusqu'à ce jour, elle n'a pu entendre presque personne. Non, laissez-le terminer sa question. Laissez-le terminer parce que vous avez dit les victimes, les parents des victimes, personne n'est venu. Laissez-le terminer, après il aura la réponse. Allez-y, oui, vite. Pour faire entendre leur version. Et aujourd'hui, si vous n'avez pu parvenir à aucun résultat, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous, journalistes, à nos lecteurs, comme résultat à mi-parcours de vos enquêtes? Ça, c'est la première question. Et vous n'avez droit qu'à une seule question. Bon, allez-y rapidement. La deuxième question, c'est que tout le monde vient d'entendre aujourd'hui sur RFI, le lieutenant Touba donner sa version. Quelle est la position de la commission vis-à-vis des allégations de Touba? Puisque... Voilà. Bien. Allez-y, rapidement. Merci. Moi, je suis Alpha Camara. Je suis journaliste au journal au quotidien national Aurea, également correspondant en Guinée de l'agence américaine Bloomberg. Le capitaine Dadis, le chef de l'État, avait déclaré tantôt, après les événements du 28 septembre, que personne n'était au-dessus de la loi et qu'il était lui-même prêt à aller témoigner. Alors, je voudrais savoir, est-ce que votre commission l'a invité, comme l'a dit le président Doura, pour qu'il vienne s'expliquer?
Je voudrais savoir comment se sont déroulées les auditions, si bien sûr elles ont eu lieu avec le chef de l'État. Est-ce qu'également le lieutenant Toumba Diakité, qui aujourd'hui, selon tout le monde, est au cœur de cette affaire, a aussi fait l'objet d'une audition? Et comment cela s'est déroulé? Merci. Bon, allez-y. Je m'appelle Boa Kouyaté. Je travaille pour le site Guinée News et pour le journal Le Guide. Je voudrais savoir, d'après vos informations, quel est le nombre de militaires qui auraient participé à la répression sanglante du 28 septembre? Je vous remercie. Voilà, donc, Monsieur le Président, vous avez eu une série de 3 questions. Vous avez la parole, justement, pour apporter la réponse. Voilà, je vous remercie, messieurs les journalistes. Pour ce qui est des résultats, je crois que soit monsieur est venu en retard ou alors il n'a pas très bien compris de quoi nous parlons. Je crois que, au point de vue des auditions, nous avons entendu plusieurs personnes. Peut-être qu'il veut parler des victimes de viol. Victimes de viol, c'est vrai, nous n'avons reçu personne. Et pour les raisons que Dr Djoubati vient d'expliquer, les femmes sont allées au village. Les gens ont dit où elles sont, au village, on dit non, elles préfèrent ne pas venir se présenter. Alors finalement, tout le monde comprend la suite. Bon, ce qui a été recensé dans les hôpitaux, Mme Pirette l'a dit, c'est 32 cas. 32 cas, dont un seul cas qui est venu le 28 septembre. Les autres cas, c'est au minimum une semaine après le 28 septembre. Au maximum un mois, ou même plus d'un mois. Imaginez une femme qui vient un mois après pour dire j'ai été violée il y a un mois. Bon, donc ça, c'est des cas de suspicion, rien que des cas de suspicion. C'est le mot que les médecins ont utilisé, suspicion de viol. Bon. Donc, par rapport à ces résultats, moi, vraiment, je crois que nous en avons suffisamment. Pas peut-être par rapport à ces cas de viol dont vous connaissez comment les choses se passent. Bon. Et de toute façon, l'opinion que nous nous sommes faite au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, dans les conditions que nous connaissons, vous comprenez très bien qu'est-ce qui a pu se passer. Bon, le cas Toumba, je crois que le monsieur qui a posé la question est venu en retard. Nous avons dit que dans les auditions, nous n'avons pas pu appeler, inviter monsieur Toumba à venir devant nous, parce que c'est une question d'ordre. On était en train d'entendre les gens quand les malheureux événements du 3 décembre sont survenus, ce qui a fait que ça a un peu bousculé le processus que nous avions entamé. Donc Toumba n'a pas été entendu par notre commission. Pour ce qui est du président de la République, c'est quand même le président de la République. Il a bien dit qu'il est prêt à venir témoigner devant la commission. Mais par respect et courtoisie pour monsieur le président de la République, nous avions souhaité nous rendre à la présidente de la République, comme la Commission internationale s'est rendue à la présidente de la République au camp Al-Faya, entendre le président sur place et non l'inviter à venir devant nos structures. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le temps parce que, comme je le disais encore, ces malheureux événements sont survenus. Bon. Rapport entre le cas Toumba et notre commission. France, Le Monde ou je ne sais pas quelle radio et quelle télévision m'a posé la question ce matin. Nous sommes une commission nationale d'enquête instituée pour les événements du 28 septembre 2009. Pas pour les événements du 3 décembre 2009. Les choses sont très claires et nous sommes sur notre saisine. Voilà. Donc, le nombre de militaires qui étaient au stade ce jour-là, nous sommes en train de faire des investigations, nous ne savons pas encore. Mais nous avons écrit aux structures concernées pour nous dire, n'est-ce pas, combien de militaires de d'hommes en uniforme ont été envoyés ce jour-là au stade pour le maintien. Mais je crois que ça allait vite en besogne pour penser que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont allés au stade comme militaires ont pu. Donc la question reste posée. Donc je crois que c'était la dernière question posée par les jeunes Kouyaté. Je vous remercie. Allô? La dernière question. Ah oui, les présidents, les membres du gouvernement. Effectivement. Des ministres? Bon, une dernière question. Allez-y. Alors, j'ai le micro. Je veux d'abord poser ma question. Ah. Non, c'est pas parce que vous avez le micro que vous allez fournir. Oui, d'accord. Non, c'est avec votre permission, sinon je vais vous rendre le micro. Rapidement, alors.
Bonjour, mesdames et messieurs. Allez-y. C'est Abdramane Bakayoko, africaguinée.com. Ma première question est la suivante. Elle s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Si M. Toumba a osé faire ce qu'il a fait, que nous déplorons, quelles mesures avez-vous prises pour... j'ai dit, quelles sont les mesures que vous avez... C'est pas une question. S'il vous plaît, laissez-le continuer. Laissez-le aller au bout de ses idées. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il aura posé sa question, nous comprendrons si c'est lié ou non. Donc laissez-le poser sa question. S'il vous plaît, un peu de silence. Je vous en prie. S'il vous plaît. Voilà. Je veux dire, quelles mesures avez-vous prises pour mettre la main sur des gens, je veux dire puissants, si jamais ces derniers sont soupçonnés? Voilà la question. Voilà, comment dire, je voudrais aussi savoir si vos enquêtes, cette question s'adresse au président de la commission, si vos enquêtes trouvent que les leaders politiques, je veux dire les forces vives qui ont organisé la manifestation du 28 septembre n'avaient aucun droit de l'organiser puisqu'elle était interdite, si l'interresponsabilité, si ces forces vives vont endosser l'interresponsabilité ou bien une partie. Je vous remercie. Voilà, merci. Voilà, s'il vous plaît, on va gagner un temps. Donc voilà, je voudrais, monsieur le ministre, par rapport à la question, suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je voudrais dire qu'on soit un peu clair par rapport à certaines attitudes. Je pense que le ministre de la Justice n'est pas membre de la commission d'enquête. Là, c'est la commission d'enquête qui organise un point de presse. La presse doit faire affaire à la commission d'enquête. Donc, sauf si le ministre de la Justice, en marge, moi, je pense que c'est une question, à mon avis, hors sujet. Et maintenant, je ne sais pas si Kouyaté... Siaka Kouyaté, du journal Le Citoyen. Je voudrais parler un peu... Ma question s'adresse à Mme Pierrette Tornot. Vous avez évoqué un sujet qui a une charge émotionnelle très forte, ce qu'on comprend. Et j'aurais aimé savoir si vous vous êtes adressé personnellement à des organisations qui ont accrédité un certain nombre de violés. Est-ce que, muni de votre mandat de commission nationale, vous avez pu avoir accès à leurs dossiers? Enfin, est-ce que, connaissant des dossiers médicaux, vous n'avez pas eu la démarche pragmatique qui consiste à aller discrètement vers ces prétendues victimes, ces présumées victimes? Je vous remercie. Voilà, donc vous avez la dernière série de questions. Juste. Monsieur le Président, si vous voulez apporter des éléments de réponse. Bon, je vais commencer par la dernière question concernant ces cas. Si j'ai bien compris, monsieur a posé la question de savoir si avec les dossiers médicaux des cas de viol, on aurait pu aller, n'est-ce pas, à la source pour connaître ces personnes. Bon, malheureusement, je vous dirais que ça n'a pas été possible. La sous-commission chargée de cela a effectivement souhaité aller vers ces victimes parce qu'il y a des noms, effectivement, il y a des professions, mais des domiciles. On dit Matoto, ou on dit Ratoma, tout simplement. Est-ce que c'est une adresse qui permet d'identifier une personne dans Conakry? Ce n'est pas possible. Donc les 32 cas qui ont été répertoriés, n'est-ce pas, les rapports ne donnent que ces indications. Nom, prénom, profession, le domicile, ce qui est indiqué, c'est rien que le nom de la commune où la personne est censée vivre. Mais aucune précision sur son quartier, sur son carré, sur son secteur, rien. Donc, ça, c'est vraiment rechercher une aiguille dans une botte de foin.
Donc on n'a pas pu, malheureusement, pour répondre à la question de M. Kouyaté, nous n'avons pas pu aller vers ces victimes-là. C'est pourquoi nous lançons un appel encore à ces victimes. Si on n'a pas pu les gens, nous ne connaissons que leur nom, pardon et non qu'à venir, nous sommes prêts à les recevoir dans la plus grande discrétion, dans la plus grande dignité, mais c'est pour avoir les informations. Parce que si elle ne se présente pas, il nous est difficile, nous, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On parle de 105. Ah voilà, que 105 personnes viennent nous dire, effectivement, moi, j'ai été violé avec des preuves à l'appui. Bon, donc, c'est la réponse à cette question-là. Bon, quelle autre question était posée? Voilà, tu crois que c'était la dernière question? Bon, voilà, Madame Pierrette, vous voulez apporter des éléments de réponse? Bon, allez-y. Merci pour la question. Je voudrais, par rapport à ce qui a été déjà dit par le président, vous dire que la sous-commission envisage de rencontrer les médecins de l'hôpital national de Donka, la direction et les médecins qui ont reçu ces femmes. Dans le rapport, rien n'indique le quartier, parce qu'il faut connaître le quartier, le secteur. Mais lorsqu'on vous dit dans le rapport provenance, Dixine, Landrea, Lambagny, et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs sur le terrain, par rapport au quartier, aux communes, nous nous sommes rendus au centre de santé de proximité. Pour nous, puisque ces femmes ne sont pas venues directement se présenter à l'hôpital Donka, qui est plus proche du stade, elles ont dû se faire consulter dans ces centres de proximité. Mais malheureusement, nous n'avions pas enregistré, comme je vous le disais tantôt, des cas de viol ou d'agression sexuelle, à part le centre de santé de Dixie. Et là aussi, c'est un cas de suspicion, comme les cas de l'hôpital national Donka. Et je vous ai dit aussi que les autres sont sur le terrain et le travail continue. Le travail continue parce qu'il faut que la sous-commission rencontre aussi ces différentes ONG qui ont des supports. Et à partir de ces supports, peut-être qu'on aura la chance de rencontrer pas toutes les femmes, mais quelques femmes pour au moins les auditionner. Mais pour le moment, rien n'en est. Je vous remercie. Voilà. Moi, je crois que nous allons remercier les membres du gouvernement qui ont un conseil maintenant. Bon, pour les autres, je ne sais pas si on va encore continuer ou si vraiment on va arrêter là pour tout le monde. Voilà. Pardon. C'est une revue à mi-parcours. Pardon. Voilà. Oui. On peut arrêter. Oui, on peut arrêter. Merci d'être venu. Voilà. Merci mon frère. Je m'excuse, hein, on va voir. Bon, pratiquement, c'est la peine de. National d'enquête indépendante. Et là, c'est l'audio. Du chef d'état-major de l'armée. Les armées, plutôt. Il y a d'autres choses. Par ma voix. Il va être très fort. Malgré votre caractère, il est très fort. De me recevoir ce matin d'abord. Je m'en sers tout d'abord pour présenter
les membres de la commission last minute. C'est-à-dire Mme Morgan Batmatan, le deuxième rapporteur de la commission, Dr Hassan Diallo, médecin légiste qui est membre de la commission, Dr Saïd Mbappé, qui est également membre de la commission. Ils n'ont pas été choisis au hasard par rapport aux sous-commissions auxquelles ils appartiennent. Le président, moi-même, je suis, si nous avons créé, nous avons estimé que nous vont permettre de l'attendre. Nous avons le président accompagné par le chef du candidat, le colonel Dravin, qui est son adjoint. Donc, comme je disais tantôt, nous vous remercions de nous avoir reçu, d'avoir même accepté de décaler, qui était initialement le début, mais de contraindre de déparer votre volonté, après que vous le temps de l'être. Mon colonel, nous ne voulons pas abuser de vos instants. Nous savons que vous avez beaucoup de travail à faire. Mais je pense que cette rencontre était nécessaire. Nécessaire pour la Commission nationale d'enquête, nécessaire même pour l'ensemble de l'Union retiendra que la Commission nationale d'enquête a pu éclairer le chef de l'état-major des armées relativement aux événements malheureux pour nous. Nous serions demander, est-ce que d'ailleurs c'était nécessaire de voir le chef d'état-major des armées, en raison de ce qui nous a été dit au préalable par M. le ministre chargé des services spéciaux, PIFA, et le chef d'état-major de la gendarmerie de l'Occident. Parce que ce qui ressort de ces différentes déclarations, c'est que la veille du 28 septembre, une réunion d'état-major s'est tenue sous votre autorité, ici même, à l'état-major interne, et que les consignes données étaient formelles. Pas un militaire n'a été déployé, de quelque corps qu'il soit. Qui s'est déployé au stade du 26 septembre et alentour, et sur mes trajets, c'était la police et la gendarmerie. Donc cela nous dispensait même de venir vous voir. On sait que vous n'étiez pas concerné, vous n'avez envoyé personne. Mais il importe quand même que cela vienne de vous-même. Que la commission vienne vous voir, vous rencontrer, que vous sachiez qui sont les membres de la commission et quel est le travail qui nous attend. Donc, c'est pour ça que, monsieur le colonel, nous avons estimé qu'il fallait que ce matin vous demander, un peu ce que vous savez de ces tristes développements. Et du moins en amont, les dispositions bon, pratiques ont dû être prises bon, par l'État au plus haut niveau. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout le monde comprend alors. Si on nous répond. Hein? On peut continuer? Allez-y. Élargi directeur national de la police, le directeur national de la douane, étaient tous présents. Ce jour-là, les consignes ont été claires. Et comme on a toujours fait, quand on a vu qu'il y a des manifestations, on a toujours demandé la police et la gendarmerie de déployer leurs unités dans les grands carrefours de la capitale pour empêcher les dérapages. Parce que vous savez que les événements ici
c'est toujours la face. Donc, on a dit de tenir le carrefour, d'éviter que les gens cassent les magasins et qu'ils ne touchent les citoyens. Ce conseil a été donné particulièrement au chef d'état-major de la gendarmerie et directeur national de la police et à tous les chefs d'état-major et maires d'aviation. J'ai dit et j'ai insisté d'aller voir leur commandant d'unité, leur dire qu'aucun militaire ne sort avec la guerre. Parce que le travail qu'on doit faire, c'est un travail de maintien d'ordre qui ne relève pas de l'armée. Mais auparavant, on avait fait tourner dans toutes les garnisons militaires de la République où on a dit aux militaires leur rôle, mais ça signifie leur rôle. En ce qui concerne le maintien d'ordre, on dit désormais c'est la police et la gendarmerie qui doit le faire. Le 28, moi j'étais à l'état-major ici. Les éléments étaient. C'est vers 11h, si je ne me trompe pas, que la police est venue, les responsables de la police sont venus vers moi. J'étais là avec le. Bon, il y avait mon adjoint, il y avait le chef d'état-major de l'armée de terre. On a fait appel au chef d'état-major de la marine. La gendarmerie qui sont venus trouver une grande compte de ce qui se passe sur le terrain. Ils m'ont dit, au niveau de Pambeto, le dispositif qui était là a été démantelé par la population. À Bellevue, ils sont venus attaquer la police qui était là. Le commissariat est brûlé. Les armes ont été enlevées et il y a eu des victimes policiers qui ont été touchées. Et que la foule se trouve devant le stade. Les hommes sont là, ils ne sont pas armés. Actuellement, ils sont en train de jeter les cailloux sur la population. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de repousser la police. Et c'est vrai qu'on avait de sérieux problèmes en ce moment parce qu'on n'avait pas les moyens à notre disposition pour vraiment tenir le respect de la population. C'est vrai, les moyens manquent. Donc, on était en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. On s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Pendant qu'on discutait, c'est là-bas que j'ai appris que Kégourou était avec les leaders. Il était en train de les convaincre pour qu'ils puissent annuler la manifestation. Donc, pendant qu'on était là, en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, sur place, dans la salle, on nous téléphone pour nous dire « Ah, il y a des coups de feu, il y a des morts, les gens ont cassé la porte, ils sont rentrés au stade, ah, ça tire au stade. » Ça tire au stade. Moi, j'ai dit au directeur national de la police, chef d'état-major de la gendarmerie,
de contacter les gens et dire d'éviter de faire pression sur la population pour éviter le dégât. Mais après, on nous appelle, on dit, ah, il y a des morts. Il y a des morts et ça dégénère. Voilà, tout de suite. J'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie et au directeur national d'aller sur le terrain, aller voir ce qui se passe. Après, ils ont envoyé une commission pour dire à la Croix-Rouge est sur le terrain, ils sont en train de ramasser les blessés, les morts. Ils n'ont pas les moyens pour envoyer les véhicules. Donc j'ai ordonné au commandant du train d'envoyer les camions. Et c'est ce qui a été fait. Tout de suite, comme la situation est grave, avec le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale, on s'est décidé d'aller rendre compte, parce que le ministre n'était pas là, d'aller rendre compte au président. Donc, on est parti vers la présidence. On est parti à la présidence et on a trouvé le président. On venait même de l'empêcher parce qu'il paraît qu'il voulait partir. Parce qu'il avait été devant nous, il voulait partir pour aller empêcher les gens. On l'a trouvé en couleur indienne. On est venu lui dire, ah, il y a des morts. Il lui dit, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il ne voulait pas que ces manifestations-là aient lieu. Parce que, vraiment, il connaît nos militaires. Là où on ne les envoie pas, c'est là où. Mais, en ce qui concerne les unités capitales, les consignes ont été données. Et ça a été respecté. Maintenant, le régiment a son commandement. Si j'ai dit commandement à part, ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas de l'armée de terre. Mais ils sont un peu autonomes. Ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas le savoir. Mais au rassemblement, même là, ça a été dit. Aucun militaire ne doit sortir. Aucun militaire ne doit sortir. Le maintien d'ordre relève de la gendarmerie et de la police. Donc, quand on a appris qu'il y avait le guerrier rouge, moi, vraiment, j'étais étonné, dépassé. Voilà les événements du 20 septembre. C'est que je retiens. Avant de poursuivre ma question, je vais un peu rester sur ma soie ou sur ma fête par rapport à cette dernière déclaration. Résumant, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le régiment, c'est une des compositions de l'armée. Nous, profanes, on entend souvent des régiments commando. Est-ce qu'il s'agit comme si on disait section, compagnie, bataillon. Voilà, le régiment est au-dessus de tout ça. Le régiment, c'est une. C'est un élément de l'armée qui est composé de 4 bataillons. Qui est composé de 4 bataillons, c'est-à-dire 3 bataillons de combat et 1 bataillon de commandement.
mais ça dépend de l'effectif. Ça peut aller jusqu'à 5 quand il s'agit d'un régiment renforcé. Dans notre cas, on a 4 bataillons. Ça veut dire le bataillon formé par les Américains, qu'on appelle les Rangers, le bataillon formé par les Français, qu'on appelle BASP, qui était l'ancien garde, l'ancien chef d'État, le général Vincent Mabonté. Il y a le bataillon formé par les Chinois, qu'on appelle commando chinois, et le bataillon les troupes aéroportées, BAC. C'est les quatre qui composent le régime. Bon, colonel, j'aimerais avoir une précision. Quand vous avez fait envoyer des camions chercher des ports, venir en port un peu à la fois où vous avez des manques, est-ce que c'est dit qu'ils sont venus ici chargés des ports ou sont allés directement dans les hôpitaux? Les véhicules, ce qu'on m'a dit du stade, ils sont venus Niastri. Parce que moi, j'étais maintenant à la présidence. D'accord. Avec le directeur du cabinet, parce que le ministre n'est pas là. Quand il y a des événements, nous rendons compte directement au ministre de la Défense. Mais si le ministre n'est pas là, nous sommes tenus obligés d'aller rendre compte directement au président. Vous ne savez pas comment est-ce que ça va réellement passer le tour des camions. Parce que selon des toutes informations qu'on a reçues, des portes sont venues tout le temps et c'est du camp qu'on a les a dirigées vers le Niastri. Effectivement, effectivement. Les portes étaient venues ici après Niastri. L'ordre a été donné de les envoyer à Niastri. Oui. Malheureusement, si on pouvait voir quelqu'un. Il y a eu des portes ici avant qu'il sorte par la casse. Pour vous, ce n'est pas la main maintenant. Avant que de revenir, vous allez nous permettre, mon colonel, de nous mettre en contact avec tout ce qui est censé être attenté pour les portes. C'est bien que l'on ait des contacts réguliers. Avec toi, par exemple. Ça vous verrait bien de comprendre un peu comment ça s'est passé. Ensuite, le chef d'État major de la Générique nous a révélé que des militaires, des gendarmes avaient été blessés, surtout lors du déploiement des conflits, ce qui est une grande première, hein, on ne le savait pas. Tout le monde ne savait pas si c'était les civils qui ont été l'objet de blessures et d'autres choses. S'il y a des militaires, des policiers qui ont été blessés, certainement directement. Alors, les biens, comment sont-ils en forme de ça? Oui, effectivement, parce que j'étais le point focal là, dans la commission internationale de l'ONU. Ils passaient toujours par moi pour entendre les gens. Et je me suis largement expliqué devant eux. Donc, effectivement, les militaires, les hommes en uniforme ont été blessés. Certains ont été traités ici, à l'hôpital ici. Donc on lui a dit, elle est partie, la dame, elle est partie jusque là-bas voir les gens, à l'hôpital. Et ça, le médecin chef de vous donner bon détail là-dessus. Mais la plupart ont été blessés dans les quartiers, soit en sortant de chez eux pour venir au camp ou en rentrant à la maison. C'est qui m'a aidé là. Bon, l'autre peut-être dans le maintien d'ordre, policiers, gendarmes. Mais les militaires, le cas que je connais, soit en rentrant à la maison ou en quittant pour venir au service, la population l'a adressé. C'est
a été un commandant même qui a été hospitalisé ici, il a été mal battu. Bon, dans ce fameux rapport de la Commission internationale, j'ai vu une expression que j'avais perdu pratiquement depuis la révolution, c'est le terme milicien. Milicien, oui. Milicien était au stade 28 septembre, avec des armes blanches, dans des machettes, pour des bâtons, des trucs, qui ont causé beaucoup de dégâts pendant les événements. Qu'est-ce que cela vous inspire là? Bon, moi, j'entendais parler de miliciens, j'ai vu les miliciens au temps de la Révolution. Mais pendant la Deuxième République, la Troisième République, à ma connaissance, je ne pense pas s'il y a des miliciens dans l'armée. À ma connaissance. Les volontaires là, enfin, les volontaires que l'armée a utilisé pendant la Deuxième République, la plupart ont été renvoyés. Et pendant le recrutement, on a réussi à recruter certains pendant la Deuxième République. Pour diminuer, parce que c'était des gens qui sont servis. Mais maintenant, ça n'existe pas. Il n'y a pas connaissance. Merci mon collègue. Mes collègues ont l'air. Je suis mal préparé. Oui. Donc, à ça, je vais le dire. Merci, monsieur. Merci. Je voudrais parler de la gestion des ports, ce qui m'intéresse particulièrement avec mes études. Et aussi parce que je voulais gérer un rapport avec les services de ce qui fait que d'ailleurs, le président se rend sur le sujet. Il y a une personne qui est plus qui approche avec le service médical. Et le 28 septembre, quand vous avez soulevé, aux environs de 11 heures, nous avons reçu le réveil. Pendant que j'attendais l'instruction logicielle pour le bilan de l'eau, ils sont arrivés, ils étaient d'accord pour prendre le tour. Finalement, c'est chemin. Parce que d'abord, le service militaire médical de Port-Amérique, c'est présent. Où est-ce que vous avez fait? Donc, nous avons fait quand elle est en Port-Amérique.
Nous avons travaillé, nous étions ensemble, dans la forme de 54, pour tout le monde. Et vous voyez, lorsque, ici, on a retenu, tout d'abord, nous avons regardé ce soir, avant de trouver un rapport, d'abord, nous permettre de prendre des dispositions pour nous donner quel corps hospitaliers sont déjà là-bas, parce qu'il faut libérer la place pour pouvoir regarder. Est-ce que les corps sont restés dans les camions durant tout le temps, c'est-à-dire de 11h, 22h, et on a pris soin de remettre le camion à l'attendant, parce qu'on voit que c'est un travail qui s'en vient, qu'on va les laisser dans les camions en cet été, donc c'est pas très longtemps, ça va accélérer la préparation. Je vous remercie très sincèrement. Ce qui m'a été rapporté, les ports sont restés dans le véhicule. Parce que les chauffeurs qui ont conduit ces véhicules sont restés à côté de leur véhicule. Et le service médical veillait dessus. Mais ce qui est la vérité, parce que toute cette question, c'est pour savoir s'il y a des corps qui ont été sauvés. La communauté internationale a posé beaucoup de questions là-dessus. Ils ont rencontré tous ceux qui ont géré cette affaire. Mais ce qui reste réel, la Croix-Rouge, du début à la fin, a suivi le ramassage. Non seulement des morts, mais des blessés. Mais ils ont un caractère un peu discret. Ils ne peuvent pas livrer le contenu de leur rapport tout le monde. Mais si vous avez les moyens de les approcher et de les consulter, ils vont dire combien de corps ils ont mis dans les camions. Parce qu'ils ont fait leur rapport aussi. Et on ne peut pas dire que ces gens-là sont pour l'armée. Parce que ils sont clairs hein, dans ce qui concerne la gestion du corps. Il y a un problème aussi. Les gens ont beau poser la question, mais ils n'ont pas fait des enquêtes autour pour savoir s'ils ont retrouvé ces camions-là dans un quartier. Ça aussi, ça pouvait nous édifier. Si les camions du stade Samori, Ignace de Samori, si les camions laissaient cette direction pour aller dans les quartiers, il faut qu'on élargisse les enquêtes dans ce sens. Comme ça, on saura la réalité. Mais la gestion du corps, la Croix Rouge, peut-être que le jour viendra, ils vont dire combien de corps ils ont mis dans le camion. On peut élargir les enquêtes dans les quartiers, dans les cimetières, pour savoir si on n'a pas envoyé des corps pour aller les enterrer. Parce qu'on ne peut pas prendre un corps gardé à la maison pour longtemps. Comme d'autres l'ont dit, on a jeté dans la mer. On ne peut pas du tout le savoir parce que les pêcheurs, tous les jours, vous jetez, il y a la mer qui va repousser sur la côte. Ah, c'est ça. Donc tout ça, c'est un vrai. Voilà, avant de vous laisser continuer, peut-être que ça va passer, il est bien que ce détail va donner quelques explications. Nous avons pris contact avec la Croix-Rouge par rapport à ces questions. Bon,
mais un accord où, d'après la réponse que vous a donnée, il a géré un nombre très limité de corps. Bon, je ne sais même pas si ça fait 10 corps en tout, ceux que la Croix-Rouge a géré. Mais les forces armées, les militaires, policiers ou gendarmes ont aidé à ramasser des corps, on fait ça avec la Croix-Rouge. Ça a été ensemble, ça a duré dans le temps. Bon, par rapport aux forces communes ou aux charniers, la Commission nationale a été jusqu'à envoyer des correspondances à tous les partis politiques dits de l'opposition ou aux ONG susceptibles de penser que les droits de l'homme ont été violés dans ce sens-là. On a envoyé des courriers demander qu'ils ont eu connaissance de l'existence d'un charnier ou d'une tombe suspecte d'informer la Commission. On a envoyé au moins 25 correspondances. Mais jusqu'à maintenant, pas une seule réponse. Et les leaders de partis politiques que nous avons mis également à auditionner devant notre commission, la question précise leur a été posée, mais ils sont tous dit ignorer s'il existe ou ils m'ont dit ça. Donc là, sur ce plan, on a vu les mêmes longueurs d'onde. Mais les investigations continuent. Donc, mon souci, c'est de la qualité de conservation des corps. Ce qui nous a fait provoquer cette cause, nous devons connaître, ou quand je mets une très belle chose, c'est qu'à chaque fois que vous avez reçu déjà, les goûts étaient complets. C'est garanti, nous devons quand même être. Parce qu'on disait, si je ne sais pas, et on n'avait pas de hormones. Hein? On est parti jusqu'à saisir le ministre Bouba de contacter les autorités marocaines pour qu'ils viennent en aide, au Sénégal aussi, pour le formant. Ce que j'ai dit, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier le service de l'État, associé au service de l'État légal. Et puis, monsieur dit, juste pour vous, on a restitué l'école à la grande vers le service de l'État. Donc, tout ce problème de son école, difficulté de pension de corps, corps décomposé, baisse du son de corps, avec les gènes qui sont dans le monde, et par rapport au décès de l'hôpital, le matin, avant même que les camions militaires n'arrivent pas à la province, d'ailleurs, nous ne pouvons pas. C'est pas bien. Pour vous aider la, la vérité, nous on reçoit aussi des informations. On parle des disparus. Actuellement, dans les pays limitrophes, comme ici, les gens pour pouvoir sortir du pays, ils vont pouvoir, dans les ambassades, se présenter comme ils sont des victimes, et tout de suite on leur donne le visa pour partir. Si quelqu'un arrive à se cacher de ses parents comme ça, et on dit aussi qu'il était au stade, il a disparu, ce côté-là aussi, il faut voir. Parce qu'actuellement, il y a plein de jeunes qui sont partis comme ça. Plein de jeunes. Maintenant, les disparus, pour donner leur photo, leur identité, on va essayer de publier ça aussi pour faciliter la recherche. Voilà.
Parce que tantôt, d'autres viennent, bon, c'est des informations, il faut vérifier. Bien sûr. Bien sûr. D'autres viennent dire, ah, bon, on dit que c'est... Bon, il y a des gens qui sont même en Sierra Leone ici, là. Ah, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Sénégal, là-bas, on dit qu'ils, sont, qu'ils ont disparu. Mais en même temps, le vrai, c'est beau, il faut vérifier. Donc, ça aussi, ça peut aider. Justement, ce truc-là, l'information qu'on reçoit. Parce que, ouais. Ça aussi. Non, non, c'est extrêmement important à savoir. Beaucoup sont partis. Surtout, il y a des jeunes qui, beaucoup sont partis en Hollande, en Angleterre, en France. Le visa, tu viens seulement, tu dis, je suis victime, mon Dieu. Non, non, on a mis largement de l'information. Nous, quand nous avons une sous-commission, ça c'est de la recherche et de l'application des espaces. J'ai appuyé deux œuvres, il y a déjà plusieurs informations, il y a plusieurs hypothèses même qui circulent autour de cela. Parce que le 28 septembre, il y a plein de gens qui étaient venus au stade qui ne sont même pas de Conakry. Non. Il y a des gens venus de l'intérieur du pays, donc souvent même on dit des pays voisins, et qui étaient au stade, et qui malheureusement, certains d'entre eux ont trouvé la mort. Si on ne les connaît pas, alors, la plupart de ces corps sont restés sans être identifiés et ont dû être enterrés en raison de leur état. Donc, quand on compte les personnes qui sont venues à la commission déclarer avoir perdu un parent, ils ne sont pas encore plus de 4, à proprement parler. Les gens qui sont venus devant la commission. Mais bien sûr, il y a des gens d'information qu'on n'obtient pas directement. Ou aller à la source, il faut passer par personne interposée. Alors, nous avons ces informations. Donc, ça corrobore un peu ce que tu avais dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette affaire. C'est difficile. Mais la vérité va éclater un jour. En retour, on souhaite de donner les années pour les corps de la main du monde. Merci. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé au 20 septembre, quand on tient comme une flashe, par exemple, la gendarmerie nationale a exilé, qui fait même remonter le préparatif 28 septembre au mois de juin. Je voudrais demander au niveau de l'état-major général des armées, est-ce que vous avez eu des plages, des informations, des témoignages, des renseignements qui annonçaient d'une manière ou d'une autre, les préparatifs viennent de septembre. Ça, c'est la première question. La seconde, c'est que j'insiste parce que même le rapport de la Commission internationale donne une large part de commentaires à la présence au stade du 28 septembre de civils, habillés en talons gris. Un t-shirt plus brillant, portant des bandeaux rouges avec des figurines ou des brassards, et baragouinant des langues de la forêt. Ils insistent. Et que ces musiciens-là auraient été reconnus non seulement par quelques agents de police, qui ont accepté de témoigner, mais même par un leader politique qui dit les avoir identifiés comme appartenant à ce qu'on appelait l'Union. Et là, bâtissent vraiment un argumentaire fort autour de cette question. Et on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, avec le recul des ennemis, si l'état-major général a pu en savoir plus, si vous êtes resté, vous aussi, au niveau simplement des rumeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des patrouilles qui se font.
est-ce que ces patrouilles ont permis que ce soit le 28 septembre ou les jours suivants à arrêter, à interpeller ou à ramasser, comme on dit entre guillemets, des gens dont on pourrait, sur lesquels on pourrait porter interdiction. Parce que là, on en parle avec beaucoup de bruit, beaucoup d'insistance, le temps est court. Nous le disons, nous le répétons les choses. Autre chose, c'est cette question de viol. Vous savez que toute l'accusation portée sur notre pays a été rendue sensible, a eu beaucoup plus d'attention de la part des institutions internationales ou des organisations des droits de l'homme que quand on a rajouté le cas des viols. On continue de parler de centaines de femmes de vivre. L'état-major sont venus en simultané sur des informations, des témoignages sur des cas concernés. Je ne reviens pas sur la question des charniers, mais on nous suspecte d'avoir pris des coups. Je voudrais bien nous dire combien sont ces canons. Est-ce qu'il est possible de parler avec le choix de l'autre séparateur de témoins parce que c'est eux qui ont été impliqués. On nous suspecte d'avoir détourné les camions des hôpitaux pour, si comme vous dites, pour procéder à une soustraction. C'est pas pour subtiliser des bords et diminuer le nombre parce qu'il semble qu'il y en avait trop. C'est quoi quelle relation militaire de coopération les états-majors ou les services de police de la Guinée ont avec les pays voisins? Mais est-ce qu'il est envisageable que dans ces pays-là, les forces spécialisées dans ce domaine, la police scientifique, la police technique, les états-majors, dans l'échange d'informations, est-ce qu'il est possible peut-être de demander que ces gens-là nous rapportent des informations de risque? Pourquoi? Parce que même la Commission internationale bâtit notre argumentaire sur le fait que les enquêtes, elle ne les a pas menées, mais qu'elle s'est rendue au Sénégal, notamment à Dakar, où, dit-elle, elle a rencontré beaucoup de gens qui ont pu d'ici pour aller se soigner, de toutes les femmes violées, de son budget avant de pensionner. C'est tout cela que je voulais. En fait, ce n'est pas des questions. C'est des réflexions, c'est des demandes. Est-ce que c'est possible? Parce que autant ils ont élargi le champ d'investigation et d'enquête, autant nous devons essayer de couvrir ce champ et de relever le maximum de régularité ou d'irrégularité, n'est-ce pas, sur les témoignages et les informations contenues dans notre document, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Concerne les médecins, je dis que l'appellation de l'engagement, c'est parce que le temps de la révolution, c'est et depuis après, problème de nourriciens, je n'ai pas entendu d'avoir de problème. On a géré les volontaires pendant la Deuxième République. Et je vous ai dit que les volontaires, la plupart, ont été recrutés par la République. Dans ma connaissance, maintenant, miliciens, au stade, moi je n'étais pas là pour dire que les militaires et les gens étaient là, comme on appelle avec les troupes, les haches et autres.
Moi, j'ai vu le stade sur les images. Maintenant, avec les renseignements reçus, la télé, sur les chaînes étrangères, si je dis à tout moment, ce n'est pas tous les jours, mais de voir, nous tombons sur des personnes qui portent la tenue avec béret rouge, avec armes qui ne sont pas militaires. On a arrêté depuis que personne ne. Si vous vous souvenez, chaque fois qu'on met la main sur une personne, déjà, on montre à la télé. La télévision, on en a montré assez. Ok, il y en a qui ne sont pas militaires. On était réellement mélangés. La commission internationale m'a posé plusieurs fois la question sur ce sujet. Ils ont voulu savoir comment ça peut arriver, parce que c'est impossible. C'est l'armée qui gère la tenue, c'est l'armée qui gère les armes. C'est vrai. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'une tenue militaire, vous partez à Marina, vous avez besoin d'un béret rouge, vous allez l'avoir. Notre pays était arrivé à un moment où je vous dis aujourd'hui, c'est les civils qui nous ont mis le mal. Ils envoient des tenues des États-Unis, de la France, de partout. Ils viennent vendre librement aux militaires. Et tous ceux qui font les opérations, la plupart, ils sont avec l'arme de guerre. On vient de sortir d'une crise, il y avait la guerre dans tous les pays qui adorent la Guinée. Nous avons su ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Nigeria. Jusqu'à présent, il y a des taches là. Le tout n'est pas. La preuve est là. Tant le pouvoir est menacé au Nigeria. Et en Côte d'Ivoire, le pays est partagé en deux. Nous continuons à recevoir des informations que les gens sont là-bas, ils se préparent, ils sont là. Donc, pendant l'incursion rebelle, nous avons utilisé les volontaires. Ces volontaires, pendant la guerre, se sont bien armés. On n'a pas pu les désarmer. Les gens ont des armes. Je vous dis, aujourd'hui, il y a un quartier à Zéro-Poré, on appelle le Coréen. Même l'armée n'ose pas rentrer là-bas, parce qu'ils ont toutes les armes, même les armes collectives. Quand ça dégénère à Zéro-Poré, pour rentrer dans le quartier là, il faut avoir sûr de toi-même pour rentrer. C'est vrai. Et vous voyez, tous les gens qu'on ramasse ici, les coupeurs de l'église, ils sont avec les armes. Et ce trafic continue aujourd'hui. Sierra Leone, Libéria, passant chaque fois par la Guinée, et le Mali, c'est le Sahara là-bas. Plusieurs fois, les armes ont été saisies. De quoi faites-vous, monsieur? On va beau accuser l'armée, mais pour assainir notre armée là, ce n'est pas un travail d'un jour, d'une année ou deux. Nous sommes mélangés, nous reconnaissons que nous sommes mélangés. On a beaucoup de personnes mal intentionnées parmi nous qui tuent les civils et tuent les militaires. En ce qui concerne les miliciens, moi je ne peux. Mais sur le tour des gens comme ça. Donc, vous avez parlé. Des flashs avant 28 ans. Flash. Nous avons appris à la radio que l'opposition veut faire une manifestation le 28 septembre.
à la télé, la sensibilisation passait. Tous les jours, nous avons appris et nous avons pris le devant en promettant une réunion dépend des explications pour l'unité. Mais dire qu'on a reçu un document, ça, non, on a reçu. Merci. Le viol aussi. Il y avait parlé de viol. Voilà. Bon, viol, ce que moi j'en sais, les commissions ont été mises en place. Commission pour recevoir les corps, commission pour recevoir les dossiers, commission donc si je me trompe pas. Il y avait des commissions qui étaient basées là pour recevoir les victimes. Mais à ma connaissance, on ne m'a jamais venu me dire que la commission qui est chargée des violés a reçu des cas. À ma connaissance, on a toujours appris sur RFI, France 24, l'Africa 24. Mais aujourd'hui, personne n'est venu se plaindre ici pour dire que ma fille, bien ma femme, a été violée. Personnellement, je n'ai pas eu et permettez tant que personne n'a pas reçu. On a vu les morts, on a vu les blessés. Mais une violée, à ma connaissance, je n'ai pas reçu. Je voudrais attirer votre attention sur peut-être. L'armée guinéenne a intervenu sur plusieurs théâtres d'opération. Vu que moi je suis dans l'armée, je n'ai jamais entendu qu'un Guinéen militaire guinéen a été pris pour vol dans un pont. Je vois les officiers supérieurs qui sont devant vous, vous pouvez témoigner, vous pouvez faire vos enquêtes dessus. On a duré en Sierra Leone. Mais on n'a jamais eu un rapport ici pour dire qu'il y a un militaire qui a été pris. Et Libye, la même chose. On n'a pas reçu. Dire que les militaires ont violé au stade, je ne dis pas que c'est faux, mais ça m'a étonné. En pleine journée, en plein air, vraiment ça m'a étonné un peu parce que vos frères militaires que vous voyez, chacun a le secret de son village. Et ce secret, pendant les opérations, les Guinéens étaient plus craints en Sierra Leone, partout où on a été. Les Libériens, les Nigériens, les Léonais, achetaient la tenue guinéenne, 200, 400 dollars, parce qu'on dit que Laval ne rentre pas. On a détruit tout ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais on m'a donné à pouvoir réfléchir. Merci bien, c'est vraiment à réfléchir, justement. J'insiste parce que d'un côté, nous reconnaissons comme on disait le ministre qu'on est infiltré. Pour l'autre, vous relatez les lettres de noblesse de l'armée, c'est effectif. Et pourquoi c'est inquiétant parce qu'une telle accusation jette le pauvre sur une des forces africaines qui a contribué à la libération et à la paix dans le monde. Ça n'a jamais été rapporté, vous êtes allé jusqu'au Congo, partout depuis, ça n'a jamais été rapporté, vous étiez en Haïti, ça n'a jamais été dit dans un rapport que militaire dit. Ici, on nous le dit, on nous le fait croire que c'est même avec les coups de canon, j'ai entendu un leader politique déclarer sur les antennes que c'est même avec un coup de canon. Vous voyez ce cynisme aussi, à deux attitudes. La première, pour celui qui connaît l'armée guinéenne, tout ce qu'elle a apporté les années durant pour le continent, ça choque.
Ça choque parce que c'est une armée du peuple. C'est sa singularité. Vous et moi, on est issus de la même case, on se côtoie tous les jours, on monte, on descend. Ce n'est pas comme certains ont été. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu plusieurs événements. Mais on n'avait jamais parlé de l'Europe. Mais cette fois-ci, c'est ce qui constitue le plan de résistance, si vous voulez, de tous ceux qui ont été amenés à décrypter un peu les événements du 28 septembre. Tout la possibilité de renforcer les recherches en matière d'infiltration, parce que s'il y a eu des cas de viol, ça pourrait être parmi, je ne dis pas, ça pourrait être commis par des éléments étrangers. Ouais. À toute cette discipline, à toute cette noblesse de l'armée. C'est pourquoi on tire sur cette ficelle de « il faut qu'ensemble, on réussisse à savoir quels sont ceux qui étaient là, autres que nous, pour le 28 septembre, parce qu'il a été préparé, il y a eu des preuves que le 28 septembre 2009 a été vraiment savamment préparé. » Bien. Et excusez-moi, là, est-ce qu'on ne vous a pas demandé la commission internationale, par exemple, de visiter le camp Koundara? S'ils n'ont pas demandé ça. Oui. Puisque vous étiez au point focal ici, on ne vous a pas demandé, on aimerait visiter le camp Koundara. Bon, la dame m'a dit que je vais rencontrer le ministre de la Défense, que je vais rencontrer le ministre de la Défense, et il dit c'est possible. Ils n'ont pas demandé l'audience, pas rencontré. L'unité, le camp Koundara et Kassan, mais il m'a demandé quels sont les gens qui sont là. J'ai expliqué que c'est les gens du régiment. Il y a Kassa aussi de 17 qui m'a fait. Bon, il y a compagnie nautique. La dernière question, excusez-moi, voilà. C'est que tout le monde. Et puis, je veux compléter. Il m'a demandé s'il n'y a pas de détenus là-bas. Ah. J'ai dit oui, effectivement. Il y avait des éléments détenus là-bas. C'est vrai, des éléments que tout va arrêter. Et on a libéré tout récemment. Voilà, je voulais en venir. Et parce qu'on a vérifié, on a vu qu'une charge dans le retenu contre. Très bien, parce que nous, on a été très, très préoccupés par la libération précipitée des premiers qu'on avait arrêtés le 28 septembre. Parce que d'un côté, il y avait le souci du pouvoir d'apaiser, et il y avait que le leader politique demandait entre autres à ce qu'on libère ceux qu'on avait ramassés. Or, dans cette précipitation, on a libéré certainement des gens qui devaient nous apporter des témoignages, parce qu'ils étaient ne serait-ce que dans la description de ce qu'ils ont fait ou de qui ils ont fait. Peut-être que ça aurait été. Mais on a compris le souci national de dire pour apaiser. Sur l'intervention du ministre Thébault, beaucoup ont été libérés. Tout récemment, c'est le ministre de la Défense qui a aussi libéré. Mais il faut aussi vous dire que ceux qui sont libérés récemment, oui, étaient là-bas avant l'événement. Très bien, très bien. Ça nous ils étaient là-bas avant l'événement. C'est des gens qui l'ont ramassé dans le pays, voire de telle personne. Elle n'a pas peur de lui, il peut lui tenir tête, il va mentir sur lui, lui veut faire un truc, il est quand il est dans sa bon, ouais. Donc, je vois, est-ce que... Pour... Donc, ils sont différents de ceux qui ont été arrêtés le 28 septembre. Ah, est-ce que... C'est des militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux partir d'ici en me disant que dans les commissariats de police de Conakry, il y avait effectivement des armes dans ces commissariats. Parce qu'on nous a tout à dit, non, là, le chef d'état-major, quand vous avez pensé, avait donné des instructions fermes de ne jamais procéder à un dépôt d'armes, de guerre ou de munitions dans le commissariat de police,
Donc il n'y en avait pas. Ceux qui viennent vous dire que des manifestants ou des personnes sont venus prendre des armes, il n'y en avait pas. Et puisque c'est vous qui êtes l'actuel chef des armées, qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce qu'il y avait avant le 28 septembre des armes? Je dirais fermement, parce que nous avons reçu quelques rapports parcourus où on décrivait le cas qui était, par exemple, au commissariat de Belleville. Mm. Nous voulons lever un peu, excusez-moi de tirer. Non, c'est tout à fait normal. Et moi, je vous dirais d'abord que c'est ma première nouvelle en tant que chef de camp-major d'alors. A donné l'ordre de retirer les armes dans le commissariat, ce qui est impossible. Parce que ça fait partie de leur sécurité. Et dans le commissariat, même maintenant, vous pouvez aller dans le commissariat qui n'a pas été touché, vous allez trouver les armes. Mais le cas du commissariat de la Belleville, je ne suis pas rentré là-bas avant pour dire qu'il y avait des armes ou il n'y avait pas des armes. Mais je sais, dans le commissariat, ils sont autorisés à garder, même dans les gendarmeries, ils sont autorisés, même dans les PA, ils sont autorisés à garder les armes pour leur propre sécurité. Merci. Cher chef, oui, Madame Morgan. Je termine en disant. Ah, d'accord. Où serait Tumba? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que... C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bien, merci. Voilà. Merci bien. Oui. Merci, monsieur le président. Merci, colonel. Moi, j'ai deux questions. En fait, je veux bien comprendre. Vous avez dit qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle des instructions fermes ont été données et parfois même le rassemblement, il a été demandé aux militaires de rester dans les caldans. Malheureusement, il se trouve que le 28 septembre, il y a eu des militaires pareils qui ont tiré sur les manifestants. Est-ce que vous avez essayé de comprendre ce qui s'est passé? Parce que vous avez parlé de régiment. Est-ce que vous avez identifié le régiment ce jour qui était au stade du 28 septembre? Ou est-ce qu'il y a eu des dénonciations au sein même des militaires? Parce que généralement, même quand vous avez dans votre famille des enfants et qu'il y a une casque, quand vous accusez tout le monde, il y a un qui va se détacher pour dire ah, « pas moi, je n'étais pas dedans, c'est tel et tout ça ». Est-ce qu'il y a eu des dénonciations? Ou est-ce que vous avez mené des investigations qui vous ont fait comprendre que c'est tel régiment, malheureusement, qui s'est détaché et qui est allé au stade du 28 septembre? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est que quand on a écouté le ministre Kéboureau, il nous a dit qu'ils ont arrêté certains éléments des faux militaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'à votre niveau, ça s'est passé aussi? Et est-ce que ces faux militaires qui avaient participé aux événements du 28 septembre, est-ce que leur arrestation avait lien avec les événements du 28 septembre? Voilà mes deux questions. Je commencerai par vous demander si on a identifié le régiment où j'ai parlé, ou s'il y a eu des dénonciations. Je dis que ça a été dit par le rassemblement, qu'un militaire ne doit partir au stade. Et je vous dirais qu'il y a un seul régiment en Guinée, pas deux, qui regroupe le bataillon troupes aéroportées, bataillon de rangers, l'ancien garde présidentiel et le bataillon de commando chinois. Il y a eu des dénonciations parce que ce qui a été dit par les leaders, ces éléments qu'ils ont vus, ils ont dit leur nom à la télé, à la radio. Donc ils sont dénoncés.
Je vous dirais que actuellement, nous, on a mis la main sur la plupart des éléments qui passent devant une commission. Après, le résultat aussi, ça donne. Dans le groupe, ceux qui m'accompagnaient, ils sont là. Le jour venu, la commission va se faire, va faire son travail et ils vont parler. Moi, je pense. Parce que lui, c'est vrai, on n'a pas pu mettre la main sur lui, mais la plupart, je veux dire, même ces deux garde-corps sont arrêtés. Donc, la deuxième question, c'est des éléments qu'on prenne en train, soit parmi les coupeurs de route, parmi ceux qui font les vols à main armée, dans les villes, ou en ville comme ça, pendant le contrôle, on doute de sa personne et puis on vérifie, on l'arrête. Et quand on arrête seulement, on envoie la gendarmerie. Et tous ces éléments-là ont été passés à la télé. Parce qu'une fois qu'on met même sur les gens, là, passés à la télé, on les fait parler même. Est-ce que certains ont affirmé qu'ils étaient au stade le 28 septembre? Bon, il faut que je me réfère à leur audition. La commission est en train de travailler. Et ceux qui ont été pris dans ce cadre, soit ils le font pour aller faire le faux usage de faux devant les entreprises ou bien d'autres le font, peut-être le grade commandant ou capitaine. Il se présente dans le ministère, quoi, je suis commandant tel, capitaine tel, je suis venu demander tel service. Voilà. En train de vendre la drogue, hein, ou dans un problème domanial, c'est vrai, ceux qui vont, comment on appelle, voilà, des éléments comme ça. Hein. Maintenant, la commission est en train de travailler. En ce qui concerne les événements du stade, quand la commission va être là, on dira au peuple de Guinée, les éléments qui accompagnent. Voilà. Bon, merci beaucoup. Les dernières déclarations de mon colonel fait surgir une préoccupation chez moi que j'aimerais vraiment partager avec vous. Premièrement, est-ce qu'il est possible de nous mettre en contact avec cette commission que vous avez constituée pour l'entraîner actuellement de, bon, d'interroger, je ne voudrais pas, mais de prendre des informations sur ce groupe compagnon de Toumba. Bon, parce que notre travail, c'est d'identifier les auteurs, si c'est possible. Bon. Afin que, au moins, même si on ne met pas de nom, qu'on sache quand même ce qui s'est vraiment passé au stade du 28 septembre. Bon. Deuxièmement, le commandant Thibault nous avait dit lors de son audition en commission d'un certain Mamadou Diallo qui était au stade 28 septembre en Béret Rouge, n'est pas en réalité militaire, c'est un civil qui est actuellement dans ses violons. N'est-ce pas, le ministère anti-troc, il est prêt à nous mettre monsieur à notre position, sous bon espoir. Malheureusement, c'est le jour où il a quitté chez nous que les malheureux gouvernements de trois décembre sont sur route. Donc, on n'a pas pu avoir ce mandat. Bon. Donc, je crois que ça revient un peu à la même situation. Est-ce qu'il est possible peut-être d'avoir quelques responsables de cette commission-là
pour qu'on échange au moins quelques mots avec eux. Ça va faciliter notre tâche. Même si peut-être c'est avec l'appui de notre commandant de brigade et son adjoint, pour savoir un peu vraiment où est-ce qu'on peut poser les pieds. Moi, je crois que la question est bienvenue. Vous pouvez vous mettre en rapport avec le ministre de la Justice qui peut faciliter ce qu'on a. Le ministre de la Justice, on ne vous a jamais parlé de ça. Comme c'est la première fois que je vais parler de cette affaire. C'est une commission qui a été mise en place, mais c'est pas pour cacher quelque chose. Hein. Oui, ça, je ne sens pas pour mettre pour nous la lumière sur le geste là. Bon, tout pas pour nous, on n'est pas saisi du cas, tout pas. Mais on est saisi ouais. Quand même des événements du Brexit sur place où il est censé être un des éléments. Bon, voyez-vous, donc l'un dans l'autre, ça nous intéresserait de savoir si vraiment on peut s'assurer que c'est son groupe. Il est venu sur vous, stade de prendre l'autorisation. Il peut beaucoup apporter. Voilà, ouais. Voilà, merci. Pourquoi le qui dit notre information? Hein? Qui dit notre information? Ça, c'est le colonel dont. Voilà, le colonel Palmi. Voilà. Vous pouvez venir. Ça, vous partez là. Vous négociez ça avec lui, les gens. Et pourquoi pas aussi chef d'arbre. Donc, le colonel, vraiment, c'est. Nous regrettons, on est tellement bien reçu là. Les impératifs du temps nous donc, vraiment, nous vous remercions pour l'accueil et la solidarité de l'État. Et surtout de vous être prêté à votre région, sans tabou, vraiment, parce qu'on a abordé tout ce qui devrait être abordé. Un dernier petit problème que je vais vous poser, et je voudrais vous demander de l'accepter pour moi. J'ai pris contact ce matin avec la presse, la radio-télévision guinéenne. Bon. Comme la dernière fois lors de notre conversation au palais, je n'ai pas voulu les amener directement, parce que je me dis non, mon colonel m'a dit que je ne souhaite pas ça. Mais on a trouvé une formule. Je leur ai dit, je viens à l'état-major interarmes, mais pour sortir d'ici, ou au palais ou ailleurs, vous allez, moi je vais vous accorder une interview. Interview dans laquelle je vais dire. Ça, je viens de raconter le chef de la de l'armée, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu santé. Et mais, c'est le cas festival, je vais lui prendre au moins votre image avec votre monde là, afin que cet ensemble soit vu par l'opinion nationale. Moi, j'y tiens beaucoup. Là, on ne vous mettra pas en train de parler, mais on va au moins montrer que c'est vous, le chef d'état-major, on va montrer les membres de la commission à côté, et puis voilà, le tout résolu. Si vous voulez accepter ça, moi, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, c'est tout comme ça. Mais l'interview, c'est moi qui l'apporte, c'est moi qui m'a. Je répondrai. Si vous avez fini, je voudrais juste rappeler à mon colonel de demander au service médical de prendre la ligne. Je viens vous accepter. Donc, vraiment, merci mon colonel. Vous pouvez les inviter. Ils vont demander la route. Ils vont demander la route. Bien, merci. C'est la fin de cet élément. National d'enquête indépendante. Bientôt.
C'est bon? Oui, pour celui-là. Maintenant, nous avons le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse aussi. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure 2 minutes. D'accord, à la reprise. L'audience est suspendue.